Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Je pense que vous allez bien. Salutations à tout le monde, salut. Si vous êtes là, signalez votre présence. Je pense que vous allez bien, qui sont là, qui sont là. Ça fait longtemps. Ça fait. Ouais. Pas vraiment longtemps, presque une semaine, que j'ai fait le dernier live, voilà. Aujourd'hui, comme vous, vous le voyez, comme je l'ai titré, nous allons parler sur euh, les mystères des rêves et les réalités du monde astral, appelé communément Deuxième Monde. Les Deuxième Monde. Euh, C'est deux sujets, en fait. Ce sont deux sujets. Salut mon frère Gumi Salut mon frère, bon établissement. J'ai vu dans ton statut que tu étais malade. Que, que tu sois guéri, mon frère, complètement. Merci pour ta présence. Voilà. Donc, je disais, les thèmes d'aujourd'hui, nous allons parler en fait des deux thèmes simultanés, mais ce sont deux thèmes qui sont complémentaires. Nous allons parler sur le, les mystères des rêves. On va comprendre qu'est-ce que les rêves en fait. Les rêves c'est quoi Pourquoi nous rêvons Voilà tout, tout. autour du rêve. Et puis nous allons parler sur les réalités du monde astral qu'on appelle communément deuxième monde, le deuxième monde en fait. Nous disons plus le deuxième monde, le deuxième monde. De quoi s'agit-il exactement Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas ou des contradictions, ou des ajouts comme d'habitude, vous savez, c'est un partage. Nous sommes là pour partager la connaissance, c'est voilà quoi. c'est un moyen que la technologie nous a permis, via Facebook, via les réseaux sociaux, de partager la connaissance. Voilà. OK. Nous allons d'abord parler sur les mystères des rêves. Les rêves, après, si je termine, je vais continuer avec le deuxième thème, parce que, comme je, je vous ai dit, ce sera des thèmes simultanés que je pense être complémentaires, être non dissociés. Ce sont des thèmes qui, qui vont ensemble. Quand nous parlons du rêve, nous parlons directement du monde astral, du dés... Et du deuxième monde. Vous comprenez, dans les rêves, n'est pas est dissocié du deuxième monde. Non. On va les voir, on va comprendre pas rapport à cela. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ou bien des ajouts, des comment dit, des contributions. Donc, c'est un partage, comme vous, vous le savez. Voilà. Ok. Sentez-vous vraiment libre. Nous sommes là pour partager. Ok. Nous allons parler sur le mystère des rêves. D'abord, J'aime toujours euh, appuyer mes 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 lives, mes, mes enseignements, si vous vous voulez, mes exhortations, avec des passages de la Bible. Pourquoi Parce que je je j'estime appuyer ce que je dis avec la Bible, parce que la majorité de nous euh, 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 nous sommes des chrétiens. Enfin, nous avons des bases chrétiennes. Donc, c'est toujours important quand quand qu'on évoque un thème. Aussi pertinent comme les rêves, le monde astral. Il faut toujours appuyer cela avec la Bible, parce que tout le monde a accès à la Bible, tout le monde a des sources chrétiennes. C'est toujours important pour, pour nous faire montrer que tout est en fait dans la Bible. Ici, je ne fais pas l'apologie du. du, du je, je, je ne dis pas que les gens deviennent des chrétiens, non. C'est juste appuyer mes, mes propos avec euh, comment, euh, une base en fait, avec des écritures qui est la Bible qui est accès à pour, tout le monde. Voilà. Les rêves. Je rappelle que le thème d'aujourd'hui, c'est les mystères des rêves et les réalités du monde astral. Ce sont des sujets simultanés, mais qui vont ensemble, voilà. Je commence d'abord, dans la Bible, nous voyons un des, 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 des passages que tout le monde connaît, dans Job, chapitre 33, verset 14 à 15, où Dieu parle du rêve, en fait, à, à Job, vous connaissez l'histoire de Job. Dans Job 33, 14 à 15, Dieu dit ceci, « Quand Dieu parle... » c'est pas Dieu qui parle, je pense que c'est, c'est l'IAO, en fait, si je m'abuse, si mais la parole de Dieu dit, la Bible dit, les écritures dit, quand Dieu parle, il choisit tel moyen d'expression ou tel autre, mais on n'y fait pas attention. Il parle par un rêve, une vision nocturne, quand l'engourdissement s'abat sur les êtres humains, quand ils sont endormis, allongés sur un lit. Là, c'est le verset qui va nous accompagner au travers de notre thème d'aujourd'hui, les mystères des rêves. Je relis et puis je vais expliquer au travers, les, euh, euh, comment dit, au travers les mots, au travers les phrases, parce que nous sommes en train d'enseigner, si vous voulez, sans prétention. Nous, nous partageons aussi. La, par la Bible dit, mais la parole de Dieu dit, si vous voulez, quand Dieu parle, moi je vais dire, quand Dieu communique, parce que quand on dit parler, c'est bouche. Mais Dieu, en fait, communique, en fait. Parce que Dieu ne parle pas toujours comme ça, parfois audible, non. Dieu communique, en fait. Parce que Dieu est un être invisible, est un esprit. Prenons ça ainsi pour une meilleure compréhension. Quand Dieu parle, donc quand Dieu communique, Dieu choisit tel moyen d'expression ou tel autre. Donc, on comprend ici que Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Il n'est pas, pas, il n'est pas seulement, euh, 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 monosystème. Dieu est multisystème par rapport à sa communication, par rapport à sa, à, à sa façon de de, 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 de communiquer aux, aux êtres humains, en fait. Pas seulement par la parole comme ça, non. Dieu parle par des symboles, par des, donc, Dieu est multisystème, en fait. Il est infini. Donc, sa communication aussi est infinie. Vous comprenez? Donc, quand Dieu parle, ou bien quand Dieu communique, il choisit tel moyen d'expression ou tel autre. Vous voyez qu'il y a deux ou plusieurs moyens d'expression que Dieu choisit quand il parle et vous êtes résumé, quand il communique aux êtres humains. Mais, on n'y fait pas attention. Mais les êtres humains ne font pas attention, en fait. Parce que les êtres humains ont, ont une difficulté. Nous tous avons la difficulté de comprendre, en fait, la voix de Dieu. Le langage de Dieu. Quand Dieu communique, on comprend ça comment Parce que Dieu parle. Il parle tout le temps, en fait. À chaque instant, en fait. Mais c'est nous qui, qui sommes tellement éparpillés par les pressions de ce monde, par, tellement par les, 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 les occupations de ce monde. On ne on, on, on prend pas attention. Vous voyez que c'est pour ça que Job 33, 14, 15 dit quand Dieu parle, ou quand Dieu communique, il choisit tel moyen d'expression ou tel autre. Mais on n'y fait pas attention. Dieu parle par un rêve. C'est ça le thème de notre sujet. On va s'appesantir là plus. Il parle par un rêve. Une vision nocturne. Donc nous voyons déjà ça entre dedans, ça entre dans le cadre déjà dans, 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 dans notre thème d'aujourd'hui qui parle du mystère des rêves. Vous comprenez, c est, c est, on parle de, de, de l'univers onirique. Quand on parle de onirique, nous voyons tout ce qui est songe, tout ce qui est vision nocturne, tout ce qui est rêve, voilà, tout ce qui est sommeil, en fait, les réalités des, des, quand nous dormons, quand nous, voyages, quand nous voyageons dans, 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 dans les sommets, en fait. C'est tout cela qui, euh, euh, ce qui nous concerne. Donc, Dieu parle par un rêve, une vision nocturne. quand l'engourdissement s'abat sur les êtres humains. L'engourdissement, c'est quand nous sommes endormis profondément. C'est là maintenant, Dieu profite, c'est l'occasion que Dieu choisit, une occasion propice pour nous communiquer, pour nous parler. Pourquoi Parce que Dieu est invisible, Dieu est un esprit. Il choisit ces moyens-là. Pourquoi Parce que l'être humain, quand nous sommes un peu éparpillés, éveillés comme ça, nous sommes plus occupés par les travaux, par, par les soucis de la vie, par des occupations multiples. Mais Dieu, comme il aime sa création, parce particulièrement l'être humain, il doit communiquer avec lui en fait. Il choisit les sommeils quand l'être humain dort, parce que quand l'être humain dort, il rêve. Tout le monde rêve. On rêve. Tout le monde rêve en fait. Le problème est que nous ne faisons pas nos rêves, mais tout le monde rêve. Donc, quand nous rêvons, c'est un langage de Dieu. C'est une communication de Dieu. C'est Dieu qui parle en fait. Il parle par des rêves, par des songes, par une vision nocturne en fait. Pourquoi Parce que quand nous dormons. C'est pour ça que je dis toujours que nous sommes multidimensionnels. Nous avons plusieurs corps. Bon, quand je dis plusieurs corps, c'est juste pour vous dire que nous sommes corps, âme et esprit. Quand nous dormons, c'est le corps qui dort, qui meurt en fait. Mais l'âme continue à vivre. C'est au travers des l'âme que, 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 que ça nous permet en fait de rêver, de voir des, des, des visions nocturnes, de voir des songes en fait, de voyager dans d'autres dans, dans, dans mondes. On va, aller, on, 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 on va en parler sur le plan astral, quand on parle du monde astral en fait, c'est là où nous partons en fait, chaque, à, à chaque instant, à chaque, chaque jour que nous dormons, quand nous dormons, nous voyageons, nous, nous partons dans d'autres univers, voilà pourquoi Christ se dit qu il y a plusieurs demeures dans le, dans le royaume de mon Père, quand il dit plusieurs demeures il dit il y a plusieurs univers, plusieurs mondes, dans le royaume de mon père, c'est-à-dire le royaume de mon père, c'est quoi C'est la création, c'est l'univers en fait. Il y a plusieurs demeures. Vous comprenez Donc, quand nous dormons, nous partons dans des demeures correspondant à notre, euh, euh, à notre, je dirais, à notre, euh, à notre âme en fait, à, à notre âme à, à, à l'état où nous vibrons en fait. Nous partons là en fait. Par des rêves, par des visions nocturnes, c'est par là que Dieu nous parle et nous communique. Donc, quand l'engourdissement s'abat sur les êtres et les humains, l'engourdissement, c'est-à-dire un, euh, un sommeil profond. Donc, nous sommes, euh, nous sommes comme des morts, en fait. C'est là, maintenant, que notre âme s'éveille. C'est-à-dire que nos, nos, nos yeux spirituels s'éveillent, nos oreilles spirituelles. C'est-à-dire quoi Quel est formé notre corps physique C'est la même chose que nos autres corps sont formés, en fait. Notre âme aussi a, a, a un corps comme. Le corps physique, parce que le corps physique, c'est juste les reflets, la densité de ce qui est spirituel, en fait. Parce que notre corps spirituel, notre corps des de l'âme, en fait, animique, c'est comme ça, en fait. Parce que nous, sommes, nous avons aussi des yeux. Nous avons aussi des nez, nous avons aussi la bouche, en fait. Pourquoi Parce que quand nous rêvons, nous pouvons voir la vision nocturne. Dieu nous, paie, nous, nous parle au travers de vision nocturne. On peut attendre dans les rêves, mais nous, nous sommes... Euh, et nous dormons en fait, mais comment on peut attendre Parce que nous avons aussi les oreilles spirituelles, des larmes, les yeux, les nez, la bouche. On peut sentir en fait. Voilà pourquoi quand tu fais une, qu on fait un cauchemar, on, on se sent comme si on court, on est menacé en fait. Jusqu'à ce qu'on sursaute sur, sur notre lit en fait. On sursaute. Salut mon frère, bel ami, ami. Donc on sursaute en fait. Pourquoi Parce que on est multidimensionnel en fait. On pas seulement notre corps, nous sommes âmes. En réalité, un homme, c'est l'esprit. C'est l'intensité là qui est visible, invisible, là qui nous fait animer notre corps. Parce que notre corps, aussi, ici, c'est juste un cadavre. Ça, c'est rien du tout, en fait. Ça, c'est rien du tout. C'est juste les cadavres. Vous comprenez, quand nous allons mourir, entre guillemets, voilà pourquoi je dis que la mort n'existe pas. Pourquoi Parce que nous continuons de vivre. La mort, c'est juste la séparation de notre corps physique avec l'âme, en fait. Vous comprenez ce par rapport à cela. Donc, je suis dans Job 33, 14 et 15. Le sujet, c'est... Le mystère des rêves et les réalités du monde astral appelé communément deuxième monde. Parce que c'est lié, en fait, c'est des sujets simultanés, mais c'est lié, en fait, les, les, les deux thèmes. Donc, je parlais de, de, de Job, chapitre 33, verset 14 à 15, pour appuyer mon, mon sujet du jour sur le mystère des rêves. Quand Dieu parle, il choisit tel moyen d'expression ou tel autre, mais il on n'y fait pas attention. Il parle par un rêve, donc Dieu parle par un rêve, par une vision nocturne. Quand l'engourdissement s'abat sur les humains, quand ils sont endormis, allongés sur un lit, c'est par là que Dieu choisit pour nous communiquer pourquoi je l'ai dit que c'est par là que notre sens spirituel est éveillé. Notre sens spirituel est éveillé parce que Dieu étant esprit, étant invisible, il choisit ce moment-là. Il choisit ces moyens-là parce que ça correspond à lui, en enfin. fait. Il choisit. Ils sentent que nous sommes avisés, en fait. Nous sommes éveillés spirituellement. Parce que nous dormons... Euh, comment, le sommeil, c'est comme... C'est la mort, en fait. Parce que notre corps physique n'agit pas. C'est juste un cadavre. C'est juste... C est, c est, c est, c est, comment, il est inerte, en fait. Ce qu'il anime, c'est notre âme, en fait. C'est nos autres corps subtils, en fait. Vous comprenez? Continuons. Quand nous parlons du mystère des rêves, je vais vous parler de Job 33, 14 à 15. Si vous avez des questions, des ajouts, des. des voilà quoi. C'est un partage. Je suis là aussi pour apprendre aussi de vous. Salut, Pange et Joël Congo. Donc voilà. Voilà. Donc, nous parlons des rêves, nous parlons aussi du sommeil. Parlons un peu de, 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 de l'origine, en fait. De l'origine, je dirais, l'origine du, du sommeil ou bien du rêve, parce que c'est la même chose. Dans la mythologie, dans la mythologie grecque, quand je parle de la mythologie grecque, la mythologie nous sert juste à, 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 à nous, à nous divulguer, à nous enseigner des, 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 mystères spirituels, des mystères qui sont cachés, en fait. Mais en forme de des mythes, en forme de histoires, légendaires. Mais ça parle de l'être humain, en fait. C'est ça la force des mythes, en fait. Ce sont les langages des, les initiés ont choisi, que les traditions initiatives ont choisi pour parler à l'être humain. C'est, la même chose quand Christ c'est pas parler en parabole. Ce sont des codes en fait. Ce sont des codes pour, 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 pour éveiller notre, notre sens chrétien à comprendre les choses. Dans la mythologie grecque, on parle de Morphe. En fait, qui était Morphe Parce que nous parlons de mystères, des rêves. Quand on parle des rêves, nous parlons du sommeil directement. Qui était Morphe Morphe était fils de Nyx. Nyx, c'est N-Y-X. Est N -Y -X. Nyx, c'est nuit. Nyx. Et des rêves. Thanatos était le dieu de la mort et son frère jumeau, Hypnos. Hypnos, c'est le sommeil en grec. Si vous voulez, on parle de l'hypnose hypnotique. Thanatos, c'est la mort. Thanos, Thanatos. Thanatologie, c'est la mort. Donc, Morphée était le dieu des rêves et des songes. Dans la mythologie grecque, on parle de, euh, de, fait, pardon, de Morphée comme les, les, les dieux des rêves et des songes. Vous comprenez Il possédait deux grands ailes. Qui battait rapidement et s'embrouiller. Là, c'est Morphée qui, est les, qui était le dieu des rêves et des songes dans de la mythologie grecque. Son nom signifiait, dans le nom de Morphée, qui est le dieu, qui était le dieu des, des rêves et des songes dans de la mythologie grecque, son nom signifiait celui, celui qui reproduit les formes. Vous comprenez Là maintenant, on nous explique directement l'essence des rêves. Pourquoi Parce que quand nous rêvons, il y a des formes qui se reproduisent. Nous voyons des formes en fait, bien qu'on ne peut pas les comprendre, mais nous voyons des formes. C'est ça la signification du, du, du nom de Morphée, qui était le dieu des rêves et des songes de la mythologie grecque. Son nom signifie celui qui reproduit des formes. Voilà pourquoi quand nous rêvons, il y a des formes et qui se reproduisent. Vous comprenez. D'ailleurs, même dans l'expression française, on parle des. On, on, on emploie une expression française dans la langue française pour dire tomber dans les bras de Morphée ».« Tomber dans les bras de Morphée » qui signifie tomber dans un sommeil profond, passer une bonne nuit. Vous comprenez, là, on a compris en fait, on, on, on a planté les décors par rapport aux rêves, par rapport au sommeil. Maintenant, nous allons entrer en détail pour voir quand est-ce que nous rêvons. Quand rêvons-nous en fait. Quand, quand nous dormons, on rêve, quand est-ce que les rêves arrivent en fait D'abord, il faut savoir, mes chers amis, que le sommet est constitué de plusieurs cycles détectés par diverses mesures électriques. Parce que l'être humain est un, est un être électromagnétique, en fait. On émet des choses, on reçoit, on émet, on reçoit, on émet, on reçoit. On est électromagnétique. Vous comprenez Donc le sommet est constitué de plusieurs cycles détectés par diverses mesures électriques. Nous sommes électromagnétiques, nous sommes des énergies, nous sommes des vibrations. Il y a du courant électrique en nous. Salut euh, mon grand frère, merci Donc je, je viens de commencer en fait, c'est juste de planter les décors. J'ai parlé sur, j'ai parlé en, en fait les thèmes c'est les mystères des rêves et les réalités du monde astral appelé communément deuxième monde. Ce sont deux sujets simultanés qui 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 vont ensemble en fait. Parce que quand on parle des rêves, on parle du monde astral, le deuxième monde. On va expliquer cela en détail. J'ai parlé sur Job. Chapitre 33, verset 14 à 15, voilà, vous connaissez ce verset là où Dieu parle, hein? tantôt d'une manière, tantôt d'une autre au travers des rêves. Voilà. Après, j'ai défini euh, euh, comment, dans la mythologie grecque, Morphée, Morphée qui était le dieu des de, de, de rêves et des songes, son, euh, 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 son nom signifie celui qui répondit les formes. Quand nous rêvons, il y a des formes qui se répondent. Dans la langue française, on parle de, de l'expression tomber dans les bras de Morphée, qui signifie tomber dans, dans un sommeil profond ou bien passer une bonne nuit. Donc, je suis sur l'introduction. Maintenant, là, je parle maintenant. Nous sommes en train d'entrer en, en profondeur sur quand rêvons-nous. Quand est-ce que nous rêvons? On rêve quand, en fait? C'est ce que je suis en train de dire. Donc, euh, vous n'êtes pas en retard, mon grand frère. Je vous me beaucoup. Voilà. Donc, je disais que le sommet est constitué de plusieurs cycles détectés par diverses mesures électriques. Je vous ai dit que l'être humain est un être électromagnétique. Nous sommes électricité, nous sommes vibration, nous sommes énergie, nous sommes lumière. Donc, nous émettons, nous recevons. Électrique, c'est-à-dire nous émettons, nous donnons, et puis magnétique, c'est magnète, donc émélément, donc nous, nous recevons, en fait. Voilà pourquoi on parle de, de, de la loi de l'attraction. On peut recevoir des choses, on fait donner, en fait. L'électromagnétisme, en fait. L'être humain est électromagnétique. Donc nous donnons, nous recevons. C'est comme ça, nous sommes comme ça, en fait. Donc voilà pourquoi je dis que nous sommes, nous sommes multidimensionnels, nous sommes puissants. Donc, donc l'être humain est un être extraordinaire. Vous ne pouvez même pas imaginer. Vous comprenez? Donc, et, et ainsi dit, je continue. Donc, ces mesures électri et, 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 électriques, en fait, qui est constituée, que, que le sommet constitue par plusieurs cycles, ces mesures qui repèrent les ondes lentes, allant du sommet léger au sommet profond. Voilà pourquoi, quand, avant de dormir, nous sommes nolons, en fait. Nous sommes nolons, nous sommes nolons. C'est-à-dire, c'est le sommet léger au sommet profond. Vous comprenez? Donc, avec un retour au sommeil léger, en fin de cycle. Voilà, C'est-à-dire que c'est c'est les retour Donc, avant de dormir, nous nous somnolons, nous somnolons, après nous dormons profondément. C'est là où, quand je l'ai dit dans Job 33, 14 et 15, c'est là où que Dieu nous parle en fait. Dans toute une manière, dans toute une autre. Quand nous dormons... Quand nous sommes dans, 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 dans l'engourdissement, en fait. Quand l'engourdissement s'abat en nous, en fait. Quand nous dormons profondément, c'est là où que Dieu nous parle. Par des rêves, par des songes, par des visions nocturnes, en fait. Je veux dire que la vision, quand nous dormons, nous avons aussi des yeux spirituels. De la même façon que nous avons un corps physique, de la même façon aussi, nous avons aussi un corps de l'âme. Notre âme a des yeux. Notre âme a, 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 a des sens, a des, a des oreilles, a des voix. Voilà pourquoi dans les rêves, nous, nous on peut voir. On peut parler, on peut sentir, on peut sentir comment on, on nous a touchés, on nous a frappé. C'est comme ça en fait. Nous sommes multidimensionnels. Ce que nous voyons comme ça, c'est exactement ce qui est dans le spirituel en fait. Vous comprenez C'est la même chose, mais la différence est ici au niveau des vibrations. Parce que le, la réalité physique, c'est la densité, c'est le plus dense en fait. C est, c est. En fait, est, nous pouvons comprendre eh, que est, nous sommes constitués de lumière. Toute la création est la lumière en fait. Voilà pourquoi la Bible, on parle de la lumière. La lumière, c'est la matière de la création. Mais à force de descendre, la lumière devient dense, en fait. Vous comprenez, tout est énergie. Quand je ne parle pas de la lumière, je parle de l'énergie, de la vibration. En fait, tout est lumière, en fait. Mais à force de, de monter, de monter, de monter, la lumière devient subtile, devient léger, en fait. Maintenant, le corps physique ici, c'est dense. C'est compact, en fait. Mais c'est la lumière, en fait. Vous comprenez Donc voilà, je disais que j'ai parlé des rêves, de, de, comment, du sommeil en fait, quand, quand je, je, je suis en train d'expliquer de quand nous rêvons en fait. Donc, ça dit que avant de dormir, nous, 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 euh, euh, comment les sommeils, comment, les, les, comment, la, la somnolence, ça bat en nous en fait, c'est le sommeil léger, jusqu'à à, 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 à tomber dans le sommeil profond. Après, avec un retour du sommeil léger, là maintenant, nous sommes en train de, 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 de nous réveiller en fait, c'est le sommeil léger en fait. Vous comprenez Maintenant, quand est-ce que nous sommes, euh, nous rêvons C'est durant ces derniers stades, c'est-à-dire les stades où nous sommes en train de nous réveiller, dans le sommeil. C'est durant ces derniers stades qu'a lieu le sommeil qu'on appelle le sommeil paradoxal, ou période de rêve. Donc, les périodes de rêve arrivent dans, dans ce que nous appelons le sommeil paradoxal. C'est-à-dire quoi Quand on parle de paradoxe, on voit l'effet contraire en fait. Donc, le sommeil, c'est dormir, en fait. C'est-à-dire, dormir, c'est comme nous sommes morts. Mais dans le sommeil, il y a aussi le, il y a plusieurs cycles, en fait, comme je vous ai dit. Le sommeil paradoxal, c'est-à-dire, il y a un paradoxe qui arrive, en fait. Donc, au lieu de dormir profondément comme un mort, nous rêvons, en fait. Donc, nous voyons comme si nous étions, en fait, éveillés, comme ça, comme je suis en train de dire. Dans le sommeil, ça se reproduit. C'est le sommeil paradoxal. C'est contraire. Parce que c'est comme ça, parce que nous sommes... Bien que nous sommes multidimensionnels, tout nos corps est en nous, en fait. Nous sommes corps, âme et esprit. Tout cela est en nous, en fait. Tout cela est en nous, en fait. Nous sommes un, en fait. Tout cela est en nous. Mais ça s'exprime de différentes façons, en fait. Vous comprenez Donc, en même temps, voilà, ça peut passer simultanément, ainsi de suite. Donc, il y a le sommeil paradoxal où nous rêvons. C'est la période des rêves qu'on appelle le sommet paradoxal. C'est-à-dire qu'on y constate une intensité, une intense activité cérébrale rappelant celle de l'état d'éveil. C'est-à-dire quoi Quand nous rêvons, euh, euh, le rêve le plus, je dirais, le plus euh, euh, primaire, le plus basique, c'est les rêves qu'on appelle, quand nous allons voir euh, le sort des rêves, le type des rêves, qu'on appelle les rêves banals. Les rêves banals, c'est quoi C'est juste la répercussion, en fait, de notre état cérébral et, et nous rappelons l'état d'éveil, tout ce que nous avons vécu dans, 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 dans l'état d'éveil, en fait. La journée, comme ça, quand tu vas dormir, ne t'étonne pas que tu vas rêver ce que tu as vécu, en fait. Ce que tu as, c'est comme si un rappel, en fait. Parce que ton cerveau est en train de se rappeler, en fait. Comme ton cerveau, c'est ton moteur, en fait. Est en train de te rappeler. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir, quand nous allons entrer encore en profondeur, quand nous allons parler sur, sur la nature des rêves, ou bien sur les rôles, ce que j'appelle les chakras. Les chakras, c'est, ce sont les, les centres énergétiques de notre âme, en fait. De notre âme, en fait. C'est-à-dire que quand nous rêvons, ce que nous appelons le, le, le comment le, 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 comment le troisième œil. Bon, ne soyez pas effrayés quand on parle du troisième œil. Le troisième œil, c'est juste notre œil spirituel, comme je vous ai dit. Le troisième œil, c'est l'œil spirituel. Ce, ce n'est pas de la sorcellerie ou non. Tout le monde a le troisième œil. D'ailleurs, même Christ dira que l'œil est la lampe de votre corps. Si l'œil est dans les ténèbres, tout votre corps est dans les ténèbres. Pourquoi Parce que c'est l'œil qui est notre lumière, en fait. Si on ferme les yeux, on ne peut pas voir. C'est l'œil qui nous permet de voir, même dans les spirituels. Quand nous rêvons, c'est notre troisième œil qui s'allume. On appelle cela l'hypothalamus, en fait. L'hypothalamus, euh, euh, l'épophys, tout ça. On utilise ça à l'école même, dans l'anatomie, en fait. Il n'y a rien ou de, 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 de sorcellerie, rien à voir. Tout le monde a un troisième, euh, c'est le troisième, euh, bon, je dirais l'œil spirituel, si vous voulez, qui nous permet de rêver, qui nous permet de voir dans le spirituel. Vous comprenez, c'est ça, en fait, parce que notre, nos yeux physiques d'or, nous sommes comme des morts, en fait. Mais c'est l'œil-là qui nous permet de voir, de rêver, en fait. Euh, mon, mon vieux, il me sait beaucoup, m'a dit, ou le sommeil léger, le sommeil profond, les rêves interviennent pendant toujours avant l'éveil. Voilà pourquoi on se réveille souvent juste après un rêve. Exactement, c'est comme ça. Exactement. Voilà pourquoi c'est, c'est, euh, euh, rêve-réveil. Exactement, bien sûr. Voilà, rêve-réveil. Exactement, c'est ça. Parce que c'est conseillé même que quand, quand, quand tu as rêvé, en fait, c'est quand tu te réveilles, comme le, le vieux, euh, on disait beaucoup, m'ont dit, pour les gens qui ont l'habitude d'écrire leurs rêves, il faut l'écrire directement, en fait. Parce que c'est en ce moment-là que ton, ton cerveau est encore frais pour retenir les choses, en fait. Si tu laisses quelques temps, en fait, tu vas oublier tous tes rêves, en fait. Ça, ça fait les grands problèmes. En fait, tu vas pas oublier. Ça va rester dans ton, dans ton subconscient. Parce que rien ne se perd. Tout, tout reste en toi. Mais, c'est toujours important d'écrire, en fait de créer ce tu sais, que tu as retenu en fait quand tu rêves, quand tu rêves, quand tu te réveilles vous comprenez, parce que rêve et réveil riment comme dit le vieux, ne beaucoup exactement c'est comme ça vous comprenez donc je disais que je parlais sur le troisième œil sur l'œil spirituel en fait tout le monde a cela, l'œil et la lampe du corps c'est ce dit dans la Bible vous comprenez, ce sont les, voilà quoi les, les mystiques qui vont, qui, qui veulent en fait mystifier la chose, tout le monde a cela en fait, c'est de l'anatomie ce que je suis en train de dire vous comprenez? Donc, c'est cela qui nous permet de voir, de rêver, en fait. Quand on rêve, on voit. On voit, en fait, dans les rêves, nous voyons. On peut attendre et tout, cela ainsi de suite. Vous comprenez? Donc, nous continuons, en fait, voilà. Et puis, comme je vous ai dit, on y constate une intense activité cérébrale rappelant celle de l'état de veille. C'est les rêves banals, en fait. C'est la majorité des rêves que nous faisons, en fait, quand nous dormons. On appelle cela dans les types des rêves, rêve, rêve banal. Ils mettent en scène des êtres en droit, événements complètement farfelus, surréalistes. Ils nous permettent de chasser nos angoisses, stress, tout ce que nous avons vécu pendant la journée, pendant la veille. Ça s'est reproduit, en fait. Parce que c'est à nous. Euh, Monsieur Sandra Sali, bonsoir, il dit, euh, est-ce que tout rêve a une signification Exactement Tout rêve a une signification. Tout rêve a une signification. Maintenant, il faut l'interpréter en fait, parce que les rêves sont faits pour interpréter. Parce que les rêves sont des codes en fait. Je vous ai dit ici avec Morphée, qui était le dieu des rêves et des songes dans la mythologie grecque, son nom signifie celui qui reproduit les formes. Une forme doit a une explication en fait. En fait, tout dans, dans, dans cet univers a une signification. Tout, il n'y a rien de hasard. Les hasards n'existent pas. Tout a une signification en fait. Voilà pourquoi Dieu, comme je vous l'ai dit dans Job 33, Dieu choisit de nous parler au travers des rêves, en fait, et des visions nocturnes. Il a une signification, en fait. C'est par là que euh, 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 Dieu estime, en fait, que nous, nous serons attentifs, en fait. Parce que maintenant, là, si Dieu te parle, parce que Dieu parle tout le temps, en fait, quand nous sommes là, nous sommes trop occupés, nous sommes trop stressés, en état d'éveil. On ne peut pas écouter en fait. on peut. Voilà pourquoi on parle du silence. Parce que quand nous dormons, c'est le silence en fait. On a, on est prêt à écouter. Mais malgré cela, on nous dit que nous ne prenons pas, nous ne faisons pas attention. Dieu répète encore. Il répète encore. Il répète, il répète pour que ça entre. Mais c'est à nous maintenant la responsabilité de comprendre les rêves et puis d'interpréter cela. Tout rêve, ma sœur Sandra Sali, a une signification. Tout rêve banal que, que soit. Tout rêve a une signification. Maintenant, le plus important, maintenant, le problème de trouver l'interprétation. Parce que chaque élément des rêves a une interprétation. Tout cela, c'est important. Vous comprenez Voilà pourquoi on, 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 on conseille toujours aux gens d'écrire leurs rêves. Il faut toujours écrire vos rêves. Vos... C'est toujours important. En fait, il faut écrire. Parce que si on oublie nos rêves, comme je vous ai dit, on n'oublie pas vraiment. Ça reste en nous. Parce que rien ne se perd. Ça reste dans notre subconscient, dans notre champ de mémoire, dans notre champ mémoriel. Ça reste en nous. Rien ne se perd. Mais on a oublié cela, en fait. On a oublié cela. On a oublié, mais c'est restant maintenant. On a oublié cela. Maintenant, on doit réfléchir. On doit remémorer, en fait, la mémoire. Voilà pourquoi, en anglais, la mémoire, on dit euh, euh, se souvenir, on dit remember. Remember, voilà pourquoi j'aime beaucoup les langues. Quand on dit remember, c'est-à-dire quoi C'est rassembler les membres. Rien, c'est. Retour en fait, le même c'est les membres en fait. Tout ce que tu as vu par les formes, quand je vous dis avec mon fait, il faut les ressembler en fait. C'est ça même la, la méthode de la réflexion. Quand on réfléchit, on, 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 comment on se souvient, on, on prend cette chose-là qu'on a oublié on, 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 on les ramène, on parle jusqu'à ce que nous allons faire un tour en fait. On va remembrer en fait, les remember, on va remembrer tout en fait ensemble. C'est ça en fait. Si nous devons comprendre, vous comprenez, voilà, c'est ça. Je continue. En fait, je suis en train de parler quand est-ce que nous rêvons, en fait. Il arrive que certaines personnes rêvent pendant un autre stade du sommeil, mais c'est plutôt rare. Parce que le stade qui est commun à tout le monde, c'est le stade du sommeil paradoxal, comme je vous ai expliqué, en fait. Vous comprenez? Donc, un individu rêve en moyenne entre 90 et 100 minutes. Là, c'est standard, c'est commun, en fait. Entre 90 et 100 minutes. Parce que quand nous rêvons... Il n'y a pas le temps, en fait. Ça, aussi le grand problème. Parce que le temps. Salut, mon frère Alim Paka. Parce que le temps. C'est comment. Le, 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 comment le, le, le temps, c'est dans notre réalité, en fait. Mais dans le monde. Dans le monde des rêves, en fait. Dans le monde astral, quand nous allons parler du monde astral, quand nous allons parler du de de mort, tout ça, tout ça. On va comprendre cela. Parce qu'il n'y a pas de temps. C'est la quatrième dimension, en fait. Ici, nous sommes dans la troisième dimension. C'est notre temps, nous, nous avons le temps. Mais là-bas, il n'y a pas de temps. Quand nous rêvons, il n'y a pas de temps, en fait. Vous comprenez, il n'y a pas de temps. Mais si on, 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 on les quantifie, on les comptabilise par rapport au temps, un individu rêve en moyenne entre 90 et 100 minutes par nuit. Plus on se reproche de l'aube du réveil, plus la durée des rêves s'allonge. Vous comprenez, ça, ça longe, c'est-à-dire que quand nous rêve, quand nous nous réveillons, c'est maintenant là que les rêves restent en nous en fait. Comme je vous ai dit que c'est par là que nous devons retenir nos rêves en fait, même l'écrire, parce que si on, 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 on passe même quelques minutes, en fait, nous allons nous allons oublier tout en fait. Vous comprenez, c'est toujours important, surtout pour les personnes qui se réveillent à 3h tout cela. Quand tu rêves quelque chose. Tu, tu te réveilles, s'il faut écrire, il faut écrire, en fait. C'est important parce que tout rêve une signification. C'est un message que Dieu t'adresse, te parle, en fait. Parce que la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Que Job 33, 14 à 15. C'est capital, c'est capital parce que rien n'est au hasard. Mais on nous dit, on y prend, pas garde. Parce que beaucoup de choses que nous vivons dans notre monde, que nous avons expérimenté, que nous avons subi, parfois, on a rêvé de cela, en fait. Tu as rêvé de cela, mais. Euh, comme on dit en Nigal, Ozaki Souboul. Eh, tu étais Souboul, permettez-moi l'expression. Ozaki Souboul, en fait, dont tu ne savais plus, en fait. Donc, parce que Dieu t'a parlé, en fait. Tu parlé, tu parlé, mais, mais on n'y fait pas attention. C'est ça, en fait, le grand problème. Parce que ce n'est pas le rôle de Dieu. Parce que nous avons une notre part de responsabilités, Dieu nous parle. C'est maintenant à nous de, 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 de comprendre, en fait, le langage de Dieu. Parce qu'il nous parle des règles. Dieu parle à tout le monde. Dieu s'adresse à tout le monde, mes frères et sœurs. Il ne parle pas seulement aux pasteurs, aux prophètes, apôtres, non. Il parle aussi à eux parce qu'ils font partie de tout le monde. Il parle à, à, à toi, à vous, à, à nous tous, en fait. Dieu parle à tout le monde. Je dirais même que Dieu communique. Quand je dis parler, c'est plus euh, quand je dis je suis en train de dire, mais Dieu communique. Donc, il communique par une telle expression, une telle expression, par des images, par des sensations, par des gestes, par des événements de la vie. Dieu parle, en fait. Il parle à chaque instant, mais c'est à nous maintenant de saisir le langage des dieux. C'est ça les grands problèmes maintenant. Vous comprenez Donc voilà, nous avons compris maintenant, quand est-ce que nous aurions compris Si il y a la question. Euh, Sandra, enregistrer l'élève, mon frère, je vais continuer plus tard. Oui, euh, mon, ma, ma soeur Sandra, l'élève, mes lèvres restent toujours sur mon mur en fait. Si tu as le temps, tu peux retourner sur mon mur. L'élève, je ne vais pas supprimer, ça reste... Pour l'éternité, quand je dis l'éternité, tant que Facebook sera là, mon live, mes lives seront toujours là. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc maintenant, parlons du, euh, de la dimension des rêves. Je pense que jusque là, c'est clair. S'il y a des questions, des contradictions, n'hésitez pas. Parlons maintenant de, de la dimension des rêves. Après avoir vu quand est-ce que nous rêvons, parlons maintenant de la dimension des rêves. C'est-à-dire quoi Mes chers amis, à chaque fois que nous nous endormons, quand nous sommes dans le sommeil, ces principes subtils qu'on peut appeler globalement corps astral. Voilà, c'est là où les problèmes arrivent. Quand je parle du corps astral, en fait, le corps astral, c'est quoi En fait, quand on parle du corps astral, euh, 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 tout à l'heure, là, je vais parler sur le plan astral, le monde astral. Le monde astral, quand nous dormons, là où nous partons, en fait. On appelle ça monde astral, plan astral. Deuxième monde, si vous voulez. C'est là aussi, quand nous allons mourir, c'est la première étape. Là où nous irons, en fait, les premiers lieux, tout le monde passe par là. Voilà pourquoi dans la Bible, quand Christ est mort, il est descendu où Aux enfers. Il est descendu aux astrales, en fait. Astrales, euh, astral, en fait. Dans le monde des morts, de mort, il est descendu là-bas, en fait, pour libérer les captifs. Tout le monde passe par là, en fait. Même Jésus était allé là-bas. En fait, c'est le premier degré de, de, du monde invisible. Le monde astral. Tout le monde passe par là. Quand nous dormons, nous entrons là-bas. Les morts, quand nous allons mourir, nous allons entrer là-bas, en fait. Voilà pourquoi la religion parle de l'enfer. L'enfer, c'est juste l'astral inférieur. C'est notre âme, en fait. Notre dimension euh, euh, animique de l'âme, en fait. Parce que quand nous allons mourir, quand on parle du jugement, en fait, c'est toi-même qui vas te juger, en fait, toi-même, en fait. Tes sentiments, en fait, toi-même, tu vas te juger. Il n'y a pas personne, toi-même, qui va te juger, en fait, tu vas te voir, en fait. Voilà, on va, on va en parler, ne vous inquiétez pas. Parlons maintenant des dimensions de rêves, comme je vous, je, vous dis, je vous disais. Quand nous dormons, euh, 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 notre âme, quand je parle de corps astral, ne vous inquiétez pas, c'est juste notre âme. L'âme, en fait. L'âme. Notre âme, en fait, qu'on appelle le corps astral. Pourquoi? Parce que nous, nous avons plusieurs corps. Dans certaines traditions, par exemple, chez les hindous, on parle de sept corps. Dans la tradition qu'on on parle de neuf corps. Mais dans la religion chrétienne, c'est la même chose. Corps, âme et esprit, c'est la même chose. Parce que quand on parle de plusieurs corps, on parle juste de l'âme. Pourquoi? Parce que les émotions, les sentiments... Désir, tout cela est dans le monde de l'âme, dans le monde astral en fait, vous comprenez, ne vous inquiétez pas, c'est juste des des comment, des, 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 des jargons, des, 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 des différentes parce que le mot astral est employé par, 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 par un savant, je dis un médecin euh, suisse, je pense, paracels en fait même aussi les alchimistes et du du Âge, c'est eux qui ont employé le mot plan astral en fait, mais c'est la même chose avec ce que les grecs parlent de, euh, appellent adès Enfer, les purgatoires, royaume des ombres et des morts, c'est la même chose en fait. Voilà. Je vais lire en même temps pour que nous soyons dans la même euh, longueur d'onde, parce que c'est un partage. Mon frère Alim Paradis, qu'en qu est-il des rêves qu'on fait par rapport à nos pensées Exemple, si tu regardes une vidéo avant de dormir et tu revois la scène sous le forme de. Exactement comme je vous ai dit. Ce sont des rêves banals, en fait. Parce que ça. En fait, ça se reflète dans ton cerveau, en fait. C'est restant en toi, maintenant tu les vois. Pourquoi? Parce que tu dors, en fait. Ça se répercute, en fait. Vous comprenez? Voilà pourquoi je vous ai dit que nous sommes électromagnétiques. Au début, quand je parlais des candres, nous rêvons, j'ai dit que le sommet est constitué de plusieurs cycles détectés par diverses mesures électriques. Nous émettons, en fait. Nous sommes électromagnétiques. Nous émettons électriques. Et puis, excusez-moi, et puis nous recevons magnétisme et magnètes. Les mains, en, 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 en anglais en néerlandais, c'est magnètes, magnétisme, c'est les mans, Nous recevons. Donc, exactement comme je vous ai dit, mon frère Alim, c'est comme ça. Quand tu, euh, euh, quand tu regardes par exemple, un film porno, <laughs> porno, par exemple à 2h, 1h ou 3h, quand tu pars dormir, ne, euh, euh, ne sois pas étonné de rêver de marier des femmes des nuits, en fait. C'est comme ça, c'est la logique, en fait. Ne, 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 donc, euh, ne, ne sois pas inquiet que, que, que tu, pour un homme que tu, que tu fasses une pollution nocturne, en fait. Parce que c'est en toi, c'est ce que tu as magasiné, en fait. Ça se reflète dans, dans, dans ton âme et puis ça se reflète dans ton corps comme ça. Parce que l'âme, l'esprit, l'âme et le corps, c'est directement comme ça. Parce qu'il faut comprendre que nous sommes en réalité esprits. Mais pour que l'esprit que notre vrai nous se manifeste avec notre corps comme ça physique que nous le sentons ça passe par l'âme parce que l'âme c'est c'est l'intermédiaire où l'esprit agit dans dans le corps physique en fait quand je parle de l'âme je parle au travers des émotions des sentiments des 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 de des de, 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 voilà quoi tout ce que nous nous sentons tout ce que voilà c'est l'âme en fait qui est plus proche avec le corps physique c'est la même façon aussi avec les quand je suis en train de parler des corps astrales, c'est la même façon, aussi avec les mondes astrales, les mondes des de, 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 morts, de mort, en fait. Quand nous allons mourir, là où nous passons pour la première fois, en fait. Vous comprenez, c'est dans les mondes astrales, en fait, les mondes de l'âme, en fait. C'est là où nous partons quand nous dormons, en fait, quand nous rêvons, c'est les mondes de l'âme, en fait. Voilà pourquoi Christ, quand je il a dit, il y a plusieurs demains dans les royaumes de mon Père, en fait. Voilà pourquoi quand nous allons mourir, tout le monde ne va pas aller... dans... Euh, et, et comment, dans un même endroit, non. Chaque personne va aller là où vibrera son âme, en fait. <laughs> Vous comprenez? C'est comme ça, en fait, ce que nous devons comprendre. Il ne, il ne suffit pas seulement de mourir pour comprendre ces choses, en fait. Même la nature nous enseigne, en fait, au travers de nos, notre corps physique. Parce que notre corps, c'est juste que nous sommes le microcosme du macrocosme, en fait. Ce que nous sommes, c'est ce que le monde est, en fait. Vous comprenez? Quand tu es. Et comment, quand tu as des, 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 des émotions négatives, des sentiments de haine, de tristesse, de peur, de méchanceté, ne sois pas étonné quand tu vas mou et quand, pas, pas mourir, quand tu vas dormir, de faire des cauchemars. Parce que c'est ton état, en fait, les cauchemars, quand on parle des, des, des démons. En fait, nous avons des démons, en fait. Voilà pourquoi quand, euh, et quand on parle, de, quand il dit, dit, mi-anche, mi-démons, en fait. Donc nous sommes mi-anche, mi-démons, en fait. Ah, nous, nous avons des démons, nous avons aussi des anges, nous avons Satan et Dieu. Là, ce n'est pas pour vous les comparer, mais pour vous montrer la dualité que l'être humain est constitué en fait. Donc, avant de dormir, voilà pourquoi on dit que qu'avant de dormir, de prier, d'avoir des, des, des sentiments positifs, De voilà quoi en toi. Quand tu dors, tu, euh, 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 tu as des sentiments de haine, de tristesse, de peur, tout cela. Ne, ne sois pas étonné de faire des cauchemars. C'est comme ça en fait. Tu, en fait, tu es électromagnétique en fait. Tu as émis la peur, la tristesse. Ça va te renvoyer ainsi, en fait. C'est comme ça, c'est la loi du boomerang, en fait. La loi de cause à effet. Vous comprenez C'est exactement cela. Donc nous recevons ce que nous donnons, en fait. C'est comme ça. C'est la loi de cause à effet. Ce que tu donnes, tu vas les recevoir. L'univers, c'est comme ça. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Shalom, mon frère la Larington. Voilà. Euh, voilà. Question. Sandra Sali. Wow. Mais <laughs> c'est sujet, je sais pas, si je vais terminer ça aujourd'hui. Question. Première question. Quand tu vois souvent une personne dans tes cauchemars, est-ce que cette personne te veut du mal En fait, c'est si tu vouloir comprendre, est -ce, est -ce, est, quelle est la relation que tu as avec cette personne Maintenant, il faut se poser la question, quelle est la relation que tu as avec cette personne-là Vous comprenez, c'est ça, en fait. Deuxième question, excusez-moi, quand tu rêves d'une personne déjà morte, mais qui n'est pas dans ta famille, cela veut dire quoi Cette personne-là, est-ce que vous vous connaissez il est de quel type de personne Quelle relation vous, vous vous êtes entretenu quand il était en vie Quel genre de relation Il faut se poser cette, cette question, en fait. Tu vois C'est une amie. Donc, quand tu rêves d'une personne déjà morte, mais qui n'est pas... En fait, maintenant, il faut savoir tu rêves... En quoi consiste, en quoi consiste ton rêve, en fait vous comprenez? Troisième question. Quand tu rêves d'un voleur dans ta maison, désolé, je. Te... Oui, gars, tu peux écrire tes questions. Comme c'est beaucoup, je vais en profiter quand je vais terminer. Quand je vais à la fin, je vais essayer de répondre à, ta... à tes questions. Euh, euh, ma... ma soeur Sandra a écrit tes questions, ne t'inquiète pas. Je vais répondre euh, 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 ton soir Si pas possible, même en, en inbox, on va en développer. Parce que c'est un sujet vraiment très pertinent, très vaste. Donc voilà, donc, les mystères des rêves. Donc voilà, j'entre dans un. Dans un son là, voilà. Je ne donne que ce que j'ai en fait. Je n'est sais pas par prétention que je connais tout ce qui est des rêves, tout ce qui est des morts astrales. Non, rien du tout. Je donne ce que je connais. Voilà pourquoi c'est un partage. Je partage. C'est des contradictions, des ajouts, des, voilà parce que je aussi apprendre aussi de vous. Vous comprenez c'est ça Ok. Euh, merci. Derrière ma sœur Sandra. Euh, mon frère derrière dit quand est-ce qu'on parle des songes Je vais arriver là. Bon, je vais répondre directement. Quand on parle de songes, en fait. La nuance est que les songes est un rêve. Mais tout le monde, pas tout le monde songe. Enfin fait, le songe c'est quoi Je vais en parler directement en fait parce que c'est voilà quoi. pour ne pas perdre le fil d'idée. Le songe c'est quoi Écoutez, quand nous dormons, nous rêvons. Nous tous nous rêvons en fait. Il y a plusieurs types de rêves. Je vous ai dit que les rêves le plus basique c'est les rêves banals. C'est ce qui est répercuté dans notre cerveau en fait, ce que nous avons vécu dans dans notre rêve dans notre état de veille voilà quoi ok mais dans le sens c'est quoi le sens c'est parce qu'il faut il faut il faut pas oublier que quand en fait les rêves a euh, comment a un lien un lien je dirais euh, 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 un comment un lien avec notre nos chakras parce que quand on parle de chakras chakra c'est quoi les chakras c'est c'est ce sont nos centres d'énergie subtile en fait qui est aux embranchements en fait principaux du, du, de notre système nerveux. C'est-à-dire quoi On a sept chakras. Les chakras se trouvent au niveau de notre corps qu'on appelle le corps subtil, le corps éthérique. L'éthérique, c'est quoi Vous avez déjà entendu parler de l'aura. Tout le monde a une aura, l'aura, l'aura. Mais l'aura, se manifeste par rapport à ton état, à ton état de l'âme en fait. Si tu es triste, par exemple, pour les, les, les clairvoyants, il peut voir que ton aura est noir, ton aura est ainsi, 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 ainsi par rapport aux couleurs, par rapport aux sept couleurs. Pourquoi? Parce que les couleurs sont juste des, des lumières, en fait, qui s'expriment par différents états. Voilà pourquoi les chakras, quand on ne peut pas parler des restes sans pour autant parler des chakras. Parce que les chakras, c'est comme je vous ai dit que les centres de, ce sont les centres énergétiques, en fait. Voilà pourquoi on dit que quand nous sommes malades, c'est un de nos chakras qui est qui, qui a un problème en fait. C'est parce qu'il faut savoir qu'on jure nous sommes énergies. Maintenant, cette énergie là, la lumière que nous avons, à nous ces énergies là, se subdivise en fait au travers de nos chakras. Pourquoi? Parce que nous avons sept chakras. Premier chakra, c'est le chakra qui se situe au niveau de notre anus, au niveau de notre euh, euh, comment anus, anus vous comprenez, anus qu'on appelle et l'os de l'anus qu'on appelle le coccyx. On appelle cela le chakra de base. Le chakra de base, en fait, qui est lié à, à l'élément terre. C'est là où se situe notre chakra de base. C'est l'expression de, 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 de notre ego que nous sommes là, en fait. C'est le chakra de base qui a le, la couleur rouge, hein, principalement, en fait, la couleur rouge. Deuxième chakra, ça se situe au niveau de nos organes génitaux, en fait. Le deuxième chakra, au niveau de nos organes génitaux, en fait. C'est là où se trouve notre deuxième chakra. C'est la, la couleur orange. Troisième chakra, ça se situe au niveau de notre plexus solaire, c'est-à-dire au niveau de notre ventre, en fait. Ventre. C'est là où maintenant, c'est là où se situent nos émotions. Le ventre, c'est là où il y a, comment, il y a les parties qu'on appelle les organes, qu'on appelle les foies, l'estomac, les pancréas. Vous allez remarquer, quand, quand, quand vous avez peur, quand vous avez le stress, vous avez comme si vous avez besoin de, de, de faire pipi en fait. Vous tremblez en fait donc c'est c'est au niveau de votre bas ventre en fait qui explique vos émotions en fait. Au niveau de ça en fait ici en fait. Là où quand vous mangez, ça reste là en fait. Voilà pourquoi c'est conseillé aussi que quand à, à, avant de dormir, quand tu viens de manger avant de dormir, c'est déconseillé de, de de manger euh, 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 à 23 h 01 parce que c'est à cette heure-là qu'il faut dormir. Ne te ne, ne pas que quand tu vas dormir tu vas faire des cauchemars parce que en toi parce que quand tu vas rêver ça va exprimer en fait tes émotions vous comprenez parce que je, je vais répondre avec les, les songes pourquoi parce que les chakras c'est important parce que les chakras participent à nos rêves c'est à dire quoi je continue je suis troisième chakra quatrième chakra c'est au niveau de notre cœur c'est la couleur verte les, chak les chakras du cœur. Voilà pourquoi Christ, dans l'iconographie chrétienne, on parle du Christ et Sacré Cœur. L'état du cœur, l'état de, de la pureté, en fait, les chakras du cœur. C'est la couleur verte. Et puis, euh, euh, quatrième chak euh, 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 cinquième chakra, c'est le chakra des gorges, en fait, qui régule nos communications. Ici, c'est la couleur bleue. Et puis, cinquième chakra, c'est le chakra. Comment? Sixième chakra, voilà. C'est le chakra, comme je vous ai dit. Le troisième œil, comme je vous dis que Christ dit parle du troisième œil en fait, l'œil est la lampe de votre corps en fait. C'est le chakra qui s'ouvre quand nous rêvons en fait. Pourquoi? Parce qu'il faut voir dans l'invisible. C'est notre œil spirituel en fait, l'œil de l'aigle en fait. Tout le monde a cela, mais il y a certains qui développent cela. Voilà pourquoi là où maintenant, les, les songes entrent en rêve. Vous comprenez, les songes entre en rêve par rapport à cela. Les personnes qui ont développé en fait leur sixième, euh, sixième chakra, en fait, leur, leur chakra, euh, comment troisième eux, c'est eux qui songent en fait, parce que tout le monde ne songe pas. Les songes, je peux dire que les songes, ce sont des rêves prémonitoires, ce sont des rêves prophétiques. Vous comprenez Voilà pourquoi la Bible dira dans Joël euh, 2, 28, vous connaissez ce verset, qui au dernier temps. Euh, euh, vos vieillards songeront auront des songes quand on parle de vieillards il ne parle pas de vieux comme ça bien sûr le les vieillards c'est ça symbolise les, les comment la sagesse mais tout le monde peut exprimer l'état du vieillard en fait par rapport à ton développement spirituel c'est là que entre les songes les songes c'est juste les rêves éveillés les rêves prophétiques les rêves qui voient plus loin en fait c'est ça, en enfin, fait, la nuance. Je pense que j'ai répondu à ta question. Voilà. Donc, les chakras, c'est comme ça, en enfin. fait. Maintenant, par rapport à, 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 à cela, les rôles du chakra avec les rêves, parce que les chakras, comme je vous ai dit que nous sommes énergie, mais ces énergie, cette énergie-là est subdivisée en sept en, en parties, en fait, par rapport à nos chakras. Vous comprenez, c'est par rapport à cela, en fait. Donc, quand nous rêvons, les chakras du, du sixième chakra s'éveille pour voir. Et puis... L'état de ton rêve, en fait, se manifestera par rapport à ton chakra que tu as alimenté, en fait. Par exemple, d'abord, il faut savoir que l'humanité tout entière, en fait, la plupart des personnes euh, et comment, euh, comment, sont régulées par les trois premiers chakras, en fait. Chakra de, de, au niveau de notre anus, premier chakra, au niveau de, nos, de notre sexe et au niveau de notre ventre ici, en fait, au niveau de, no, de, de nos émotions. Presque toute l'humanité, la majorité des, 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 des êtres humains sont régulés par ces chakras-là, en fait. Soit, euh, euh, comment, ce qui est des bases, chakra des bases, tout ce qui est matériel, tout ce qui est souci de la vie, tout ce qui est inquiétude, tout cela ainsi de suite. Premier chakra, le deuxième chakra, c'est le sexe, en fait. C'est le sexe, en fait, que beaucoup d'hommes, beaucoup des êtres humains, en fait, les hommes ou les femmes, sont plus euh, Voilà quoi. Et puis, au niveau de nos émotions, nous nous, nous aimons manger ainsi de suite. Mais le quatrième chakra, au niveau du cœur, c'est la quatrième dimension en fait, c'est le niveau le plus élevé de notre dimension. C'est ici où on parle de l'amour inconditionnel, l'amour. Incond... Voilà pourquoi je vous ai dit que Christ, dans l'iconographie chrétienne, on parle de sacré cœur qui est inspiré de l'Égypte en fait. J'ai déjà mis ces statues là avec Osiris. On parle de WNFR, c'est-à-dire que les, les, les parfaits, les plus bons, les bons en fait, les bons en fait, les cœurs. Donc peu de personnes dans, dans, dans cette humanité, dans ce monde, ont, 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 ont développé les chakras du cœur, en fait, les chakras verts, en fait, la couleur, la couleur, la couleur verte. L'amour inconditionnel, en fait. Peu de nous aiment inconditionnellement. Moi aussi, je, je, je fais partie, mais je fais l'effort, en fait, parce que l'amour inconditionnel, inconditionnel, nous nous sentons nous, nous là-haut, l'amour inconditionnel, non? L'amour inconditionnel, c'est de ceux-là qui nous sont venus ici sur terre pour évoluer. On peut pas évoluer sans pour autant aimer inconditionnellement. C'est ça le grand travail, en fait, que <laughs> nous avons les défis à faire. Vous comprenez, ce n'est pas pour cela. Donc, quand je vous ai donné l'exemple, quand avant de dormir, tu, tu, tu regardes les pornos, ne t'étonne pas que tu, tu rêves de maris, des femmes de nuit qui, qui viennent t'attaquer, en fait. Parce que tu y as. Tu, tu, as, eh, comment, tu as émis, en fait, la chose, en fait. quand je vous disais, nous sommes électromagnétiques. Tu as regardé, tu as reçu, et, euh, en fait, tu as donné, et puis tu vas recevoir cela, en fait. La loi du choc en retour. C'est comme ça que les lois fonctionnent. Salut, apôtre l'alpiniste, apôtre, apôtre Israël. Israël. Euh, entre la nuit, c'est l'organe génital, exactement. C'est entre la nuit, c'est l'organe. Premier chakra et deuxième chakra, exactement. De dit... Comment donc faire la distinction entre un rêve issu de l'émotion de l'état dans lequel on était juste avant de s'endormir et les songes? Quand je vous ai dit que les songes, c'est juste plus prophétique, en fait. Ce n'est ne pas donné à tout le monde. Tout le monde ne songe pas, en fait. Tout le monde ne songe pas. C'est un rêve, je dirais, c'est un rêve éveillé. Ça peut même être qu'un rêve lucide. C'est-à-dire que tu es conscient que tu rêves, en fait. Tu es conscient que tu rêves. C'est pas donné à tout le monde. Il y a certaines personnes qui ont ces dons-là, qui ont, qui, ont, qui sont nés en cela. Il y a aussi des personnes qui développent ça aussi en fait. C'est ça fait la nuance. ma antoine commence à comment savoir si un rêve est juste et banal et ou messager. Quand je vous ai dit que les rêves banals c'est juste les rêves que tout le monde que tout le monde fait en fait. C'est les rêves qui comment Qui, qui, qui comment qui comment Qui répète en fait tout ce que nous avons vécu dans notre état de veille. C'est ça les rêve banal. C'est banal en fait. C'est banal. C'est juste des rappels de notre cerveau. Vous comprenez Voilà. Donc, euh, voilà. Je continue. Je pense que, voilà. Euh, euh, nous allons terminer en fait le premier, le premier thème parce que le thème, euh, thème d'aujourd'hui, c'est simultané. Comme je vous dis que je suis en train de parler de, de deux sujets simultanés qui sont, à mon sens, liés. Là, je suis en train de parler du de mystère des rêves et les réalités du monde astral, ou bien du plan astral appelé comme le monde deuxième monde, parce que quand nous rêvons, nous entrons dans le deuxième monde, dans le monde astral, parce que le deuxième monde, c'est juste le monde astral, le monde des émotions, le monde où, où vont les monde d'abord, ce sont les mondes parallèles, on parle des mondes parallèles en fait, ce sont des vibrations en fait, pour entrer là-bas, c'est de la vibration, ce n'est pas de, de, de la fusée, il faut aller, que non, c'est de la vibration, de fréquences en fait, c'est comme changer les chaînes en fait, tu regardes par exemple euh, RTNC ou bien je ne sais pas quelle chaîne, après tu changes en fait, voilà. Mais c'est pas pour autant que la chaîne dont tu regardais avant, c'est comment c'est retiré. Non, ça existe en fait, mais dans notre fréquence, c'est comme ça existe les fréquences dans ces monde en fait. C'est-à-dire le monde en fait. Donc, Les morts ne sont pas morts. Les personnes qui sont morts ne sont pas morts Ils continuent de vivre en fait. Dans un autre monde, ce qu'on appelle le monde astral, le monde des mort. ils sont là-bas, ils continuent de vivre. Voilà pourquoi on peut rêver de... On peut entrer en contact avec eux par des médiums, par des necomanciens. Vous connaissez l'histoire de, de, de Samuel, dans le livre de Samuel, avec la pétoniste Dandor, la sorcière d'Andorre, là, où Saoul Saul, Saul, demandant en fait, voulait que Dieu parle. Il s'est souvenu des, de, 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 comment, des Samuel. Il est parti voir une sorcière, une pétoniste, une necomancienne pour aller entrer en contact avec Samuel. Et la, 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 la magicienne, là, a, 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 a évoqué Samuel, en fait. Et puis, Samuel s'est réveillé de, 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 de sa tombe, en fait. Il a dit, ne me dérangez pas tout ça. Pourquoi? Parce que les morts ne sont pas morts. Les morts continuent toujours de vivre, mais ils sont dans, notre, dans, un autre, dans une autre fréquence. Vous comprenez, vous comprenez? Parlons maintenant des types de rêves, en fait. Avant d'aborder maintenant les plans astrales. Les plans astrales, astral, là, je ne sais pas si je vais terminer ça aujourd'hui. Peut-être parler je vais parler d'une partie et puis on va continuer après. Voilà. Les types de rêves. Nous avons les rêves banals comme je vous ai dit ce sont la majorité des rêves qui sont banals, ce sont les rêves qui mettent en scène ce que nous avons vécu pendant la journée. Deuxième type de rêve, ce sont les cauchemars, qu'on appelle les cauchemars. Faire un cauchemar n'est pas les démons, non. Les cauchemars c'est juste ça nous permet, c'est un type de rêve ou bien une sorte de rêve, ça nous permet de donner libre cours à nos frayeurs nos colères, nos frustrations, tout ce qui est négatif en nous. Les cauchemars nous aident à exorciser ou bien à guérir nos démons intérieurs. Quand je parle de démons intérieurs, je parle des, des émotions négatives, des sentiments négatifs, des haines, tout ce qui est négatif en fait en nous. Ça se répercute en rêve par des cauchemars. Ils nous servent à affronter avec nos peurs profondément ancrées dans notre inconscient. Vous comprenez donc, tout ce que nous avons emmagasiné, en, en fait, quand tu vas rêver, quand tu, rêves, quand tu fais un cauchemar, il faut exorciser, il faut, il faut guérir ton état intérieur, en fait. Bien sûr aussi, tu peux avoir des attaques, des mauvaises personnes, ça peut arriver, c'est les cauchemars. Ça peut arriver, en fait, les attaques arrivent aussi, c'est comme ça, en fait. Troisième type de rêve, c'est les rêves prophétiques. Quand je vous ai dit, ça, 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 ça s'apparente plus avec les songes. Euh, avec la question des diarres en fait, les rêves prophétiques. Là, c'est plus pour les, pers pour les rois, pour les rois, les rois de ce monde, en fait. Parce qu'il faut savoir que quand un président de la République ou bien un roi, bien une reine, ou bien un prince rêve, ce n'est pas la même chose qu'une personne lambda comme ça rêve, non. C'est différent, en fait. Parce que chaque personne a sa mission, a sa charge, en fait. Vous comprenez? Voilà pourquoi quand Pharaon a rêvé, quand Pharaon a rêvé, en fait, il a demandé à Joseph de l'interpréter, d'interpréter cela, parce que ça, 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 ça tenait à, à la vie, en fait, à la prospérité, à, à la survie même de l'Égypte. Vous comprenez? Les rêves prophétiques accompagnent plus les rois, les stratèges, les hommes politiques, les élus, les personnes qui ont des charges en fait des nations, des âmes, même des, des apôtres, des hommes de Dieu, en fait les mystiques, les personnes illuminées, en fait. On appelle les rêves prophétiques. Ils voient, en fait. Vous comprenez? Donc, ils prédisent l'élévation d'un personnage important, la naissance d'un héros, ou bien des prophètes. C'est plus dans, dans le but de, 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 de voir des lois en fait. Quand on parle du prophétisme, les hommes de Dieu sont, sont là, ils comprennent, en fait. Voilà. En fait, ce sont des révélations qu'on appelle les révélations divines, en fait. Voilà. Euh, Avant-dernier rêve, c'est les rêves qu'on appelle les rêves prémonitoires. Beaucoup de personnes ont ces dons-là, en fait. Ils peuvent voir la mort d'une personne. Ils peuvent voir que quelque chose va arriver. En fait, les personnes ont ces dons-là, en fait. Les rêves prémonitoires. Ils sont issus de... Parfois, tu peux faire des rêves prémonitoires en sortant d'un jeûne, d'une prière, euh, je une prière efficace, si vous voulez, ou bien, parfois aussi avec des chamans, avec de la drogue. Des produits hallucinogènes, en fait, qui, 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 qui t'amènent dans, dans les stades, dans la transe, en fait. Tu peux faire des rêves pro en fait. Voilà pourquoi, dans l'ancien temps, ces produits-là, euh, euh, ça s'est consommé, vous comprenez. Je ne vais pas employer cela, en fait, Pas peur, peut-être des, <laughs> des censures, vous comprenez, voilà. Donc, j'en je, ai déjà parlé, en fait, voilà. Et puis, les rêves pro tu peux les faire aussi en, en dormant dans un lieu sacré. Oui, parce que les rêves aussi. C'est par rapport aussi à là où tu dors, en fait. Ça t'influence, en fait. Parce que, par exemple, quand tu dors, tu dors dans, dans, les, dans la pyramide de Gizeh, tu ne vas pas faire un rêve qui, qui, va, qui va être un même avec là où tu dors, en fait. Parce que c'est les fréquences, en fait. Parce que le lieu où le lieu est là, il y a différentes fréquences, en fait. C'est différent, en fait. Vous comprenez Dans un lieu sacré, parmi les pyramides, les églises, ainsi de suite, ça peut influencer l'état de tes rêves. Voilà. Ensuite, il y a les rêves lucides. Beaucoup de personnes aussi ont ces rêves, là, qu'on appelle les, les rêves éveillés. Donc, tu dors, tu rêves, tu es conscient que tu rêves. Donc, tu es conscient que tu rêves, en fait. Dans ton rêve, mais tu es conscient que tu rêves. En fait, les rêves lucides, Donc, tu es lucide, en fait. Tu sais que tu rêves comme une réalité. Donc, tu es dans ton rêve, mais tu sais, en fait, dont tu es conscient que tu rêves comme une réalité maîtrisée dans les rêves. Voilà, donc il ne pas au-dessus de nous à tout le monde. Certains personnes aussi ont ce don-là de rêver lucidement. Il constitue la première étape vers une sortie conscientisée du corps. Quand on parle de sortie du corps, la décorporation, ça existe. Certaines personnes ont aussi ces don-là de sortir de leur corps. Vous comprenez, certaines personnes sont à volonté, On peut les sorciers, tout ça, tout ça, voilà. Mais quand tu sors à volonté, il faut avoir les techniques en fait. Voilà, c'est voilà pourquoi c'est déconseillé de sortir de son compte, c'est déconseillé en fait. C'est, 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 c'est préjudiciable à la, à la santé, à la santé, à l'état de ton mental, tout ça, ça peut être, ça peut dégrader en fait ton, ton organisme et ton état, ton état en fait. Voilà. Donc, voilà, je terminé en fait, là, je dirais, le premier sujet qui était le mystère des rêves. Je pense que ça a été clair, avec les questions. Je pense que, voilà. Maintenant, je vais continuer. Je sais pas si je vais terminer. Le deuxième thème qui est lié, en fait, avec les mystères des rêves. Maintenant, nous allons parler sur le monde astral. Le monde des rêves, toujours. Parce que quand nous rêvons, nous, nous allons dans, dans un monde nous ne sommes pas dans notre terre ici, mais nous allons dans, dans, dans un monde quelconque. Comme je vous ai dit que dans Jean 14, 2, Christ dit, il y a plusieurs demeures dans le royaume de mon Père. La terre n'est pas la seule demeure, en fait, n'est pas la seule dimension. Dans la terre, il y a aussi les mondes, l'astral en fait, les, les côtés invisibles. Le monde invisible, de la terre, et notre réalité. Vous comprenez, on appelle cela les plans astral, les mondes astral, les deuxièmes mondes, si vous voulez. Voilà. C'est le premier degré du plan invisible, du monde invisible. Voilà pourquoi je vous ai dit que quand nous mourons, tout le monde passe par là. Christ était passé par là. Quand il est mort, il est descendu aux enfers, dans l'astral inférieure. là où les morts sont là. Il, a, il les a libérés, en fait. Tout le monde passe par là avant de continuer. Parce que la mort, la mort est un voyage, en fait. Nous, nous voyageons. Voilà pourquoi il y a même dans les églises, Catholiques, précisément, ont pris pour les morts, pour qu'ils soient éveillés. On parle aussi de passer à en fait, pour le faire passer, en fait, dans un autre monde. Parce que, surtout les personnes qui meurent, surtout les, ceux qui se suicident, en fait, ils ont une difficulté de trouver la lumière, de trouver un chemin, en fait, à passer de l'autre côté. Voilà pourquoi les prières des morts, prières des requiem, vous comprenez, ce n'est pas un hasard, en fait, pour faire passer quelqu'un, en fait. Parce qu'il n'est pas mort, mais il est bloqué quelque part, en fait dans le monde astral, en fait. Dans l'astral, il a plusieurs dimensions. On, appelle, on, on parle de l'astral inférieur, que la religion appelle enfer, et l'astral supérieur, là, pour c'est Parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs dimensions. Il y a plusieurs dimensions. Mais aujourd'hui, nous, nous parlons juste de la dimension qui nous est proche. La dimension astrale que nous, que nous partons chaque jour, quand nous, quand nous dormons, en fait. Le monde des émotions, le monde des rêves, des sentiments, ainsi de suite. Voilà. Donc... C'est le premier décret du monde invisible. L'être humain vit en général sans s'en douter aucunement au milieu des mondes invisibles. Donc le monde invisible, c'est autour de nous, en fait. Le monde invisible, ce n'est pas, pas avoir un fuseau pour non. Le monde invisible, nous vivons avec, en fait. Quand tu es triste, quand tu es dans la joie, tu es déjà dans le monde invisible, en fait. Tu es dans un autre monde. Voilà pourquoi on parle de amène-moi au septième ciel. C'est une façon de dire, en fait. C'est un autre monde. C'est dans un autre monde, en fait. Vous comprenez, c'est le monde astral, en fait. Vous comprenez? Donc, euh, euh, voilà, l'être humain vit en général, sans s'en douter aucunement, au milieu d'un monde invisible, immense, et habité. Chaque monde est habité. Si notre terre, notre réalité est habitée, le monde astral et de ce monde aussi est habité, en fait. On va en parler, on va voir les habitants de ces mondes là OK. Là où les morts, les morts, vont, en fait. Ils sont aussi des habitants, en fait. Parce que les morts ne sont pas morts. Les morts sont quelque part. Ils habitent, en fait. Ils sont là aussi. Ils sont... voilà pourquoi les morts, les morts, la mort n'existe pas. Les morts ne sont pas morts. Parce que tout est vie. C'est juste une séparation, en fait. C'est juste un voyage. Une mutation. mutée, Mut. Même la mort en hébreu, c'est mut. Mout muter, en fait. Quitter d'un point à un autre point. Quitter d'une dimension à une autre dimension. Vous comprenez Donc, continuons. Donc, nous sommes entourés du monde invisible. Le plan astral, c'est le monde astral, c'est le deuxième monde, c'est le premier degré du, du, du monde invisible, du monde spirituel, parce que le monde spirituel est tellement vaste, plus que même notre monde physique terrestre. Nous continuons. Ce monde, dans ce monde astral, il peut la percevoir, l'être humain peut la dans une certaine mesure lorsqu'il dort, je vous ai parlé, ou qu'il passe à l'état de trance, Déjà, qui, qui, qui font les trans là, en fait, les chamans, tout cela, tout cela, en prenant les, les produits hallucinogènes pour les faire extasier. Ils entrent aussi dans ce monde là. Ils provoquent, en fait, cela. Parce que, parce que, alors, ces sens physiques sont momentanément inactifs et il arrive, parfois, il conserve, en se réveillant, un souvenir plus ou moins exact de ce qu'il a vu et entendu. On en parlait sur les rêves. C'est, c'est, un rappel. Lors de ces changements, que nous appelons mort. Maintenant, nous allons parler maintenant de la mort parce que on a parlé sur les rêves, le sommeil, mais n'oubliez pas que le sommeil est appelé le petit frère de la mort parce que le sommeil c'est les 1, 26e selon la science de la mort. Quand nous dormons profondément, nous sommes des morts en fait, nous sommes inconscients même que nous nous dormons, nous sommes dans le néant même. Vous comprenez Donc, quand nous parlons sur la mort parce que la mort c'est juste une mutation, c'est juste un changement L'être humain abandonne définitivement son corps physique. Comme je vous disais, que nous ne sommes pas notre corps physique. Notre corps physique, c'est juste ce que nous avons emprunté ici sur Terre via nos parents, l'incarnation. Notre âme a porté la chair, incarné. Il est entré dans la chair, en fait. Dans l'incarnation, pour accomplir une mission. Nous sommes des âmes, en fait, nous sommes des esprits. Habité, en fait. Nous sommes, enfin, le, notre corps, c'est juste l'habit qu'on a porté en fait. Quand nous allons mourir, c'est comme si nous avons, nous aurons enlevé notre habit pour continuer notre chemin dans, dans, dans un, dans un, autre monde. D'abord, dans le plan astral, dans le deuxième monde dont nous sommes en train d'appeler, d'en de, 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 de parler. Lors de ces changements que nous appelons la mort, l'être humain abandonne définitivement son corps physique. Il passe dans le monde invisible, dans le monde invisible et d'abord qu'on appelle le plan astral, le deuxième monde. Vous comprenez Et il demeure pendant les siècles qui s'écoulent entre ces incarnations successives dans le monde invisible. Parce que chaque personne, après sa mort, ne vit pas la même réalité que tout le monde, en fait. Donc tout le monde ne vit pas la même réalité que tout le monde, en fait. Ta mort, en fait, quand tu vas mourir... C'est juste ce que tu as vécu en fait. C'est ce que tu vas vivre en fait. C'est ton état vibratoire, ton état de l'âme que tu vas continuer à vivre. C'est comme ça en fait. Donc chacun pour soi, Dieu pour tous. Donc, voilà pourquoi on, parle de, on dit que le salut est individuel. Vous comprenez Donc la plus grande partie et de beaucoup de ces longues périodes qui se passent dans le monde céleste, voilà, monde invisible. La région où l'état dans lequel l'être humain se trouve aussitôt après sa mort s'appelle Hadès. Pour les Grecs, on appelle... Le monde a le plan astral, mais le deuxième monde, Hadès. Hadès était le Dieu de mort. En fait. Dans la Bible, on parle d'Hadès. Hadès, Hadès c'est un dieu grec, en fait, parce que là, comme l'influence grecque a, 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 a influencé plus la Bible, parce que là, le Nouveau Testament était écrit plus dans, en grec. On parle d'Hadès, ou royaume des ombres. Nous allons parler des ombres pour les Grecs. Les purgatoires ou état intermédiaire des chrétiens. C'est l'intermédiaire en fait. Voilà pourquoi je vous ai parlé sur l'âme. L'âme, c'est l'intermédiaire entre l'esprit et, les, et, 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 et le physique. Le monde des morts, c'est-à-dire le monde astral, quand nous, quand nous allons mourir, là où on entre quand nous dormons, quand nous rêvons, c'est ce qu'on appelle l'état intermédiaire en fait. L'intermédiaire entre l'esprit, le monde spirituel, le monde de, de l'esprit en fait. Parce que le monde des morts, c'est-à-dire le monde astral c'est aussi le il partie du monde spirituel. Voilà pourquoi je vous dis que c'est le premier degré le premier degré du monde spirituel, du monde invisible. Nous entrons d'abord par là. C'est plus proche de nous, c'est l'âme en fait. C'est compatiblement avec l'âme, avec notre corps physique. Je pense que c'est clair jusque-là. C'est ce que les alchimistes du Moyen-Âge ont nommé les plans astral. On a appelé ça les plans astral. Voilà, c'est la même chose. Avec Hades, Rome des ombres, Rome des morts. Rome de l'âme, purgatoire, état intermédiaire, monde astral, c'est la même chose. Deuxième monde, le monde des morts, c'est la même chose. OK. Continuons. La région astrale dont nous sommes les de par les deuxième monde est souvent appelée le royaume de l'illusion. C'est pas vraiment la réalité, parce que la réalité est dans le monde de l'esprit. Mais c'est, c'est, c'est le royaume aussi de l'illusion, en fait. Parce que l'illusion n'est pas seulement dans notre monde physique ici, mais ça continue. Parce que dans le monde de l'âme, c'est juste une continuité de notre monde, en fait. C'est plus proche de nous. Vous comprenez? C'est souvent appelé le rhum de l'illusion. Pourquoi? Non, non pas qu'il soit lui-même plus illusoire que notre monde, mais à cause des vagues extrêmes des impressions qu'en rapportent les voyants mal préparés. Vous comprenez? Parce que les, les rêves aussi font partie des illusions, en fait. Mais les illusions aussi ont, ont aussi un sens. L'illusion aussi fait partie de la réalité, en fait. Vous comprenez Donc, ceci peut s'expliquer par deux propriétés caractéristiques du monde astral. Voilà maintenant les deux propriétés du monde astral du deuxième monde. Première propriété caractéristique, c'est beaucoup de ses habitants, beaucoup d'habitants du monde astral ont le pouvoir merveilleux de changer de forme avec la rapidité de se métamorphoser et de jeter. Un charme illusionnel, presque illimité sur ceux dont il est en plan fantaisie de se jouer. Donc ils pensent être plus développés que nous sommes, nous qui sommes dans la réalité terrestre. Mais ils sont aussi dans l'illusion. Mais ils ont une longueur d'avance un peu pour nous parce qu'ils sont dans le monde invisible, en fait. Voilà pourquoi ils peuvent jouer dans, euh, avec l'illusion, en fait, pour nous charmer, pour nous, voilà quoi, pour nous charmer, pour nous, nous éblouir, ainsi de suite. Première caractéristique du monde astral, c'est. Le monde, euh, comment, le monde de l'illusion, c'est-à-dire que euh, euh, beaucoup de ces habitants du monde astral ont le pouvoir merveilleux de changer de forme avec la rapidité de se métamorphoser et de se jeter un changement. Pourquoi Parce que dans le monde astral, le monde invisible, quand tu penses, quand tu penses, quand tu penses, directement la réalisation se fait en fait. Mais dans notre monde ici, c'est le temps qui, qui nous empêche en fait. Voilà pourquoi Christ est dit, que quand vous priez, parce que la prière c'est une activité de l'âme, quand vous priez, sachez que ce que vous avez prié, ce que vous avez demandé, ça s'est réalisé déjà. Et puis, ça, 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 ça va s'accomplir. Mais ça tarde, pourquoi Parce que c'est avec la, la, le facteur temps. Le temps est tellement long dans notre réalité physique, mais le temps est juste présent. Le passé le présent, le futur n'existe pas, tout n'est que présent, en réalité en fait. Voilà pourquoi le monde astral, le monde invisible la vitesse de la pensée en fait. Vous comprenez Mon frère Botique Candy salut. <laughs> Pourquoi faisons-nous des cauchemars, tu, tu es venu en retard. En fait, les cauchemars c'est juste c est, c est, c est, c est, ça fait partie des sortes de rêves. Les cauchemars c'est juste notre état intérieur, c'est-à-dire que notre état, je dirais démoniaque, diabolique, nos côtés, sentiments négatifs en fait. Quand tu dors, ça se répercute en fait. C'est juste, ça, ça te permet d'exorciser, de, 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 de guérir, en fait, ton état, en fait. C'est juste un rappel de ton état intérieur, en fait. C'est ça, en fait, les cauchemars. Ce pas, comme on dit, les démons, non. C'est juste l'état de ton cœur qui est révélé, en fait. Qui est tellement ancré, amagasiné dans ton, dans, 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 dans ton subconscient, dans, dans, dans ton âme. Et puis quand tu dors, ça se répercute, en fait. Mais c'est toi-même, c'est ton état de cœur en fait, tes démons en fait, que tu dois exhauster. C'est juste un rappel que tu dois faire un travail dans ton, dans ton âme, dans ton être. Voilà. Donc, première caractéristique, vous avez compris. Deuxième caractéristique, c'est la vision sur ces plans, les plans astral b, deuxième est une faculté différente de la vision physique. C'est évident. Et beaucoup plus étendu, l'objet est perçu, pour ainsi dire, par tous les côtés. Voilà pourquoi on parle des quatre, quatre, quatre qu dimensions. La longueur la largesse, quoi encore? La profondeur, l'auteur. Là-bas, on voit tous les côtés directement, en fait. Voilà pourquoi on parle de la physique quantique. On parle de la physique quantique, en fait. Donc, il n'y a pas de, 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 de limites, en fait. Là-bas, on voit tout directement, en fait. On, on, on voit tous les côtés dans le monde invisible, dans le monde astral. Vous comprenez? L'intérieur d'un solide est aussi visible que son, son extérieur. Voilà pourquoi on dit que euh, comment? La matière est constituée de 99,9999% des vides. Des vides, en fait. Non, des vides, en fait. La matière est constituée de vides, en fait. Voilà pourquoi, voilà pourquoi je vous dis que nous sommes des lumières. Nous sommes des énergies, en fait. Vous voyez, la matière, c'est juste une illusion. mais la réalité, c'est des vides. Voilà pourquoi on parle de la physique quantique, de la mécanique quantique, en fait. Vous, vous comprenez? C'est dans le monde invisible, le monde astral qu'on peut voir tout euh, euh, on voit on, on voit avec la réalité plus que le monde euh, de monde physique. Mais c'est pas vraiment la réalité parce que c'est il y a aussi d'autres il y a plusieurs dimensions en fait. Il y a plusieurs dimensions mais je parle du plan astral parce que c'est plus proche de nous, c'est les mondes dont nous entrons chaque, chaque fois que nous dormons en fait. C'est là où aussi les morts vont quand nous allons mourir là où nous allons entrer Premièrement, je vais vous donne l'exemple du Christ pour les chrétiens qui aiment la Bible. Christ est allé d'abord là-bas. Quand il est mort, il est destiné aux enfers pour libérer les captifs, en fait. De la main de qui D'Adès. Adès en fait, c'est lui qui... Le, le, le dieu de la mort, en fait, celui qui tient la clé de la mort. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse, il dit que je suis celui qui tient la clé de la vie et de ses de jours de mort. Il a retiré de cela de la main d'Adès, de la mort, en fait. Il était allé dans l'astral en fait, dans le monde, dans le monde du mort pour prêcher l'évangile là-bas, pour ressusciter. Voilà pourquoi quand il est ressuscité, il y a eu plusieurs résurrections aussi. Voilà que, voilà que la Bible aussi en parle. Donc voilà, c'est toujours important de rappeler aussi que la Bible en parle aussi parce que beaucoup de chrétiens, moi aussi je suis de source chrétienne, c'est toujours important d'appuyer ce que nous disons par rapport à la Bible, parce que on me demande toujours, Kalinga, ce que tu dis, c'est où dans la Bible? C'est où dans la Bible? Est-ce que c'est biblique? C'est biblique? C'est biblique? Voilà, c'est, voilà. C'est cet effort-là que je fais pour, en fait, corroborer mes, mes propos avec la Bible pour montrer que ce que je suis en train de dire, c'est aussi dans la Bible. Vous comprenez? Voilà. Euh, voilà. Donc, on comprend aussi que le monde, à ce aujourd'hui, on peut voir tout, en même temps, en fait, en même temps, là-bas, il n'y a pas de limitation. Non, non. C'est la quatrième dimension, c'est au-delà. Il est donc évident qu'un voyageur inexpérimenté aura beaucoup de peine. Donc, les personnes qui font, font des voyages astrales, tout cela, qui ne sont pas expérimentées, il, il aura des difficultés, en fait, pour comprendre les choses là-bas. Voilà pourquoi quand les personnes meurent, quand une personne meurt, nous tous, en fait, quand nous allons mourir, bon, là, c'est l'impression que j'ai, en fait. Quand nous allons mourir... C'est d'abord un monde de l'inconnu, en fait. C'est voilà pourquoi nous avons peur de la mort. C'est comme, par exemple, en fait, l'exemple, je... la nature même nous enseigne. C'est-à-dire quoi la... Je vous dis que la mort est un voyage. C'est une mutation. Quand nous quittons, par exemple, un pays, en fait, pour aller dans un autre pays, si tu ne connais pas quelqu'un dans un autre pays là, quand tu vas arriver là-bas, tu vas être dépaysé. C'est exactement ce qui se passe avec la mort, en fait. Au premier instant, nous sommes dépaysés. On se rend compte que nous ne sommes pas morts, en fait. Donc, nous continuons toujours à vivre. Mais on, on se rend compte que nous n'avons nous pas ce corps physique, en fait. Nous avons le corps de l'âme. L'âme continue à vivre, en fait. Parce que vous voyez, je vous dis que la mort n'existe pas. Oui. Euh voilà. Vous comprenez donc, c'est par rapport à cela, en fait. C'est un monde inconnu, voilà pourquoi nous avons peur de la mort. Quand nous allons mourir, quand je vous ai donné l'exemple, quand tu pars dans un pays dont tu ne connais personne, tu es des paysans, en fait. C'est exactement ce qui se passe avec la mort. Vous comprenez. Mais avec les temps, les personnes qui sont là-bas, voilà. Bon. Peut-être vous allez penser comme si je fais de la prétention, comme si je suis déjà mort. Non. En fait, je peux dire que j'étais déjà, déjà mort, en fait, parce que je crois en la réincarnation. Là, c'est mes propos, en fait. Quand on parle de la réincarnation, c'est-à-dire que nous avons plusieurs vies, en fait. On a été déjà mort dans un temps et puis nous continuons toujours à vivre. C'est par, par, euh, par rapport à cela que je suis en les de dire, en fait. Je donne l'exemple de la nature pour comprendre, en fait, que la mort est une mutation, est un voyage, en fait. Vous comprenez? Donc, le monde astral est ordinairement l'objet de nos premières expériences extra-physiques. Je vais vous donner un exemple avec la mort, euh, pardon, le sommeil. Quand nous dormons, nous entrons dans le monde astral, le monde des rêves, le monde de l'âme, en fait. Chaque jour, nous entrons là-bas quand nous dormons. C'est exactement aussi quand nous allons mourir, c'est le premier monde. Voilà pourquoi on parle du deuxième monde. C'est un monde parallèle, le monde de l'âme, mais le monde invisible. C'est le premier degré du monde invisible. Vous comprenez? Donc, le plan astral présente donc un profond intérêt dans le sens où on peut comprendre le phénomène du spiritisme. Voilà pourquoi on parle du spiritisme. C'est-à-dire que le spiritisme, c'est une science qui étudie le monde des esprits, en fait. Entre en contact avec les esprits. Quand on parle des maisons hantées, vous avez déjà entendu euh, euh, comment la réalité avec les maisons hantées. Les maisons hantées, c'est-à-dire que les maisons hantées, les maisons où. Euh, 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 Comment les, 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 comment les entités vivent dedans, en fait. Ou par exemple, une personne qui est mort là, en fait. Son esprit est là, en fait. Son esprit est là, il n'est pas encore monté, il n'est pas encore. Voilà. voilà pourquoi parfois on demande aux, aux prêtres, aux hommes de Dieu de venir dans cette maison-là pour prier, pour. Voilà, parce que l'esprit de la personne est là, en fait. Parce qu'il n'est pas mort, parce que la mort n'existe pas. Il est encore là, son âme est là, en fait. Parfois, il regarde, il regarde en fait son corps. Vous comprenez? Voilà pourquoi les exorcistes, les prêtres, les pasteurs doivent venir pour exorciser la maison. Parce que la maison est hantée, est habitée par des mauvais esprits, des entités maléfiques, en fait. Vous comprenez? C'est par rapport à cela. Donc, etc. Nous continuons. Donc, tout le monde, d'une façon différente, peut expérimenter les plans astrales. Je vais vous donner l'exemple avec le sommeil, la mort, par des sensations. Voilà pourquoi beaucoup de médiums, des personnes qui. qui qui ont des dons de, de médium, des dons de médiumniques, peut entrer en contact avec les morts, parler avec des morts, en fait. Mais parler avec des êtres de, 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 de ce monde-là, par des sensations, par des visions, par des rêves. Vous comprenez, vous donnez l'exemple des rêves. Quand nous avons, nous avons parlé sur la, la première partie des mystères des rêves, on en parlait. Le sommeil, ou bien être guidé par un maître spirituel, ou bien par les boules de cristal, les personnes qui, qui ont... Voilà le mystique en fait avec les boules, les cristal, tu peux entrer dans le monde, dans le monde astral. Mais là, il faut être coaché, il faut être, voilà quoi. Il faut toujours être guidé par un maître. Quand on connaît pas une chose, on doit être accompagné par une personne. C'est comme, c'est toujours important, c'est toujours sécurisant. Faut comprendre. Voilà. Là c'était l'introduction. Maintenant, nous allons parler du décor du monde, du monde astral, du monde astral. Je pense que jusque là c'est clair. Du décor du monde astral. Je fait mon effort vraiment pour terminer ces, 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 ces live aujourd'hui. Donc voilà. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Voilà. Les décors, en fait, les décors du monde astral, qui est le premier décor du monde invisible, mais du monde spirituel, qui est plus proche de nous. Excusez-moi. Il faut d'abord se rappeler que le monde, mais le plan astral, mais le deuxième monde, a plusieurs subdivisions caractérisé par des degrés différents. Voilà pourquoi je voulais parler de l'astral inférieur, que le christianisme appelle l'enfer. L'enfer, c'est quoi? L'enfer, c'est juste, on peut vivre l'enfer quand nous sommes déjà en vie. L'enfer, c'est notre état négatif, notre état de, comment, notre état maléfique, en fait, démoniaque, diabolique, notre état inférieur, en fait. Nos émotions de méchanceté, de, 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 de haine, tout cela, en fait, de peur. Voilà pourquoi, c'est ça en fait l'enfer. L'enfer, c'est ça. Voilà pourquoi, vous voyez qu'on parle dans l'iconographie chrétienne, vous allez voir que les personnes qui vont à l'enfer sont brûlées. Mais il faut se poser la question, ce n'est pas ces corps qui brûlent en fait. Non, les corps ne brûlent pas parce que les corps est, est en train de pourrir déjà dans les tombeaux. Mais c'est l'homme en fait qui est en train de brûler, c'est-à-dire qu'il est en train de. Dès que tout remontait, en fait, voilà pourquoi on 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 on, on l'imagine en fait avec le feu, les temps de feu, en fait. C'est c'est une imagerie. Pourquoi? Parce que les langages du monde spirituel, on, ça peut se comprendre seulement dans les langages physiques, en fait. Ce sont des images, en fait. C'est pas le corps physique qui va brûler, non. C'est ton âme, en fait. Parce que le corps physique reste. Tu vas continuer de vivre. Ton âme va continuer de vivre, en fait. C'est ton âme, parce qu'en réalité, tu es âme, tu es esprit invisible, tu n'est pas ton corps. Ton corps va rester pourri. Et puis, toi, tu vas continuer de vivre. Voilà pourquoi j'insiste toujours que la mort n'existe pas. La mort est une illusion. Nous continuons toujours de vivre. Voilà pourquoi même Christ te dira que, ayez peur, n'ayez pas peur à la personne qui tue seulement la chair, mais craignez celui qui tue l'âme, en fait. Dieu, celle qui peut tuer l'âme. Parce que l'âme ne meurt pas. Vous comprenez le, vous comprenez le sens. Voilà. Donc, dans les décors du monde astral, il y a plusieurs dimensions, en fait, plusieurs subdivisions. Faut comprendre. C'est ça dépend maintenant de l'état spirituel d'une personne qui peut se lever supérieurement, ainsi de suite. Parce que quand nous avons des sentiments d'amour, des sentiments de, de joie, de bonté, les fruits du l'esprit en nous, nous sommes dans ce que nous, nous pouvons appeler l'astral supérieur ou bien le paradis, si vous voulez. Nous sommes dans le paradis en fait dans l'extase, ainsi de suite. Vous comprenez C'est la même chose. Tout ce qui se passe dans l'être humain, ça se passe aussi dans l'univers, dans parce que l'être humain est microcosme. C'est le petit univers qui est synthétisé du macrocosme et du grand univers. Vous comprenez OK. Maintenant, parlons des habitants. Là, ça sera maintenant intéressant. Les habitants du monde astral. D'abord, mes chers amis, il faut comprendre qu'il est très difficile de, de, de classer en fait les habitants à cause de leur extrême variété. Parce que comme je vous disais que le monde invisible est tellement vaste et varié à une telle vasteté inimaginable. Donc, le monde astral, le deuxième monde, le plan astral dont nous sommes en train de parler, fait partie qui est le premier degré du monde invisible. Ok. Parlons des habitants. On peut, on peut diviser ces habitants en trois grandes classes, les habitants qui, qui habitent, qui sont dans le monde astral, dans le, ce que nous appelons le deuxième monde. Nous avons ces trois grandes classes, première grande classe, c'est les humains, les êtres humains. Les êtres, voilà pourquoi je vous ai dit que nous sommes en constance communication avec les mondes invisibles, les mondes astral, Pourquoi Par, par rapport à nos émotions. Voilà pourquoi je vous ai parlé sur le corps astral quand nous dormons, en fait. Nos émotions, nos sentiments, nos intentions. Tout ce que nous, refl nous reflétons, en fait, c'est c'est notre état astral. C'est notre état de l'âme. Quand je parle de l'astral, je parle de l'âme, en fait. C'est le monde de l'âme. C'est la même chose sur le synonymes, en fait. Vous comprenez. Dans les habitants qui habitent le monde astral, c'est les humains, les êtres humains. Nous habitons sur la terre. Nous habitons aussi dans le monde spirituel, en fait, simultanément. Parce que nous sommes esprit, en réalité, un homme c'est l'esprit. Voilà pourquoi j'insiste et je répète quand nous dormons, nous allons rêver en fait. Nous rêvons ce dont nous sommes en fait. Parce que nous allons voir ce dont nous reflétons. C'est comme ça en fait. À moins que Dieu ou bien un message vienne à toi. Parce qu'il faut savoir aussi que rien n'est au hasard. Parce que tu, tu vas mériter la communication qu'on va te donner en fait. Ces rêves-là que tu vas faire, qui va peut-être te dépasser. Tu, tu le mérites en fait. Tu as reçu ce que les chrétiens qu appellent la grâce. Tu l'as mérité parce que la grâce, ça se mérite. Bon, peut-être que je peux choquer beaucoup de personnes, mais on dit que la grâce est une faveur déméritée. Bon, je comprends cette façon de dire. Mais pourquoi tout le monde n'a pas cette grâce-là Posez-vous la question. Pourquoi tout le monde n'a pas cette grâce-là Parce que rien ne, rien, rien ne s'est fait au hasard en fait. Tu as mérité cette grâce-là. Voilà pourquoi tu as cette grâce-là. Si la grâce et la faveur de mériter, est déméritée, c'est que Dieu est injuste. Hein? Dieu est injuste, en fait. Mais Dieu n'est pas injuste, en fait. L'injustice de Dieu, c'est juste une, une autre façon de voir les choses. Mais tout est ordonné, en fait. Tout est ordonné. Bien sûr, il y a de ces choses qui nous dépassent, mais l'injustice n'existe pas dans, dans l'univers. Tout est loi et principe. Vous comprenez, mais il y a de ces choses qui nous dépassent. Il y a une grande euh, ressemblance entre le monde invisible astral et le monde imaginaire. Oui, exactement, mon frère Bauti. Il y a... Euh, et oui, il y a, ça se ressemble, oui. L'imaginaire, oui. J'ai je, 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 je parlé sur l'illusion, quand j'ai commencé sur le monde astral. C'est le monde de l'illusion aussi, ouais. Et voilà. Parce qu'il faut pas bien que l'illusion fait partie de la réalité. Une réalité illusoire. Vous comprenez. Voilà, je disais que dans les habitants du monde astral, nous avons les êtres humains. Je, je, euh, nous, nous nous sommes aussi dans le monde astral aussi, qu'on parle. nos émotions, je vous, je vous ai dit, avec les rêves. Il y a aussi les non-humains, les, les entités qui sont non-humains, on va les voir. Et puis, il y a ce que nous appelons les artificiels, ceux dont nous créons aussi, en fait. Première euh, classe, les humains. Dans les humains, on, on peut catégoriser quatre catégories d'humains de, de qui sont dans le monde astral, qui manifestent sur le plan astral pendant leur vie physique. Parce que quand on parle des êtres humains, nous parlons des personnes physiques en fait. Parmi les humains, il y a ce que nous appelons les vivants et les morts. Je répète, les habitants du monde astral sont subdivisés en trois grandes classes. Il y a les humains les non-humains et les artificiels. Première classe, les humains. Dans les humains, il y a les vivants et les morts. Dans les vivants, il y a les, la dette et ses élèves. C'est-à-dire que les maîtres spirituels et leurs élèves, en fait. Deuxièmement, il y a les personnes développées sous les rapports psychiques qui ne sont pas sous titre d'un maître. Des maîtres, les personnes qui sont nées avec des aptitudes spirituelles élevées, en fait qui ont des dons de médiumnité, de, 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 de clairvoyance, de prophétisme, voilà quoi, qui ne sont pas liés dans une église, ils ne sont pas dépendants d'une personne, en fait. Vous comprenez? Donc, première classe, c'est la et c'est-à-dire un maître avec ses disciples. deuxième, de deuxième euh, euh, catégorie parmi les vivants, ce sont les personnes développées, sous les rapports psychiques qui ne sont pas sous des maîtres. Troisième, per Troisième personne, ce sont les personnes ordinaires, les personnes lambda. Quatre personnes sont les magiciens et aussi ses disciples, en fait. Donc, voilà. En enfin fait, je vais dire que tout, tout être vivant est dans le monde astral, vit dans le monde astral. Il est vivant. Il est aussi dans le monde astral. Je veux dire que le monde astral, on entre tout le temps par nos émotions. Quand nous dormons, nous voyons des rêves, tout ça, tout ça, tout ça. Parce que c'est le monde plus proche de nous. Deuxième. Euh, 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 deuxième catégorie, toujours dans les humains, les morts. Voilà pourquoi je vous dis que les, quand nous allons mourir, première étape, premier monde, nous allons entrer dans les monde astral. Je vous vous donne l'exemple avec Jésus. Les morts, ce sont les personnes dépourvues d'un corps physique. Quand on parle de morts, on parle de corps physique, en fait. La mort, c'est le corps physique est dépourvu, laissé, en fait. Mais l'âme continue à vivre. Vous comprenez Ils sont aussi vivants que nous souvent même beaucoup plus vous comprenez pourquoi parce que les personnes qui sont morts ont goûté une réalité plus que nous en fait parce que en ré la réalité c'est plus dans le monde spirituel en fait mais eux ils ont déjà goûté cela bien que c'est encore le début du monde spirituel parce que le monde spirituel est vaste en fait mais le monde astral le monde de l'âme, c'est le premier degré du monde invisible vous comprenez donc les morts sont aussi vivants que nous même plus que beaucoup que nous pas tout le monde mais même plus que beaucoup que nous, parce qu'ils ont goûté, comme je vous ai dit, avec le monde spirituel. Vous comprenez. Parmi les morts, il y a les, les, comment, les, les personnes éveillées qui sont libérées de leur karma. Par exemple, avec les personnes comme, les personnes comme Jésus, les Bouddhas, ainsi de suite, les mêmes spirituels, qui, qui ont éveillé leur karma, en fait. Parce qu'ils ils entrent d'abord là-dedans, dans, dans, euh, dans le monde astral dans le monde de l'âme. Deuxième, deuxième catégorie, les disciples en tendance à réincarnation. Parce que la réincarnation, c'est toujours un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. La réincarnation existe. Nous ne vivons pas une seule fois. Nous vivons une seule fois dans cette vie, mais nous vivons plusieurs vies. Bon, à vous de, de, de l'accepter ou pas. ok Troisième personne, toujours parmi les morts, les morts ordinaires. Donc nous tous, quand nous allons mourir, comme je vous ai dit, que nous allons entrer dans le monde des morts. Dans le monde astral, vous comprenez, dans le monde de l'âme, quatreième personne, mais quatre, pas quatreième personne, mais quatreième entité, ou 4 quatreième habitant, les ombres, qu'on appelle les entités d'où, les fantômes. Les fantômes sont des personnes, en fait, ce sont des personnes, en fait, qui sont conscientes. En enfin, les fantômes, c'est quoi? Les fantômes sont, sont les corps astraux, des êtres venant de mourir, qui passent d'un plan à l'autre assez lentement, faute d'élévation spirituelle. Voilà pourquoi, quand, une personne meurt, une personne qui est trop attachée à la matière, en fait, par exemple, il peut, il peut, il peut, il peut apparaître à, une, à, à vous, en fait, comme ça vous les voyez, en fait. C'est les fantômes, c'est son corps astral, qui, qui, qui n'est pas encore dans, pleinement dans le monde spirituel, en fait, dans le monde astral, en fait, mais qui est encore plus euh, attiré par le monde physique, en fait. C'est ça les fantômes, on les appelle les ombres, les ombres, dont les entités douées de conscience. Vous comprenez? Donc, cinquième, il y a ce que nous appelons les coques, ou bien entités de profit de toute conscience, mais ils sont intelligents. Elles flottent passivement sur le courant astral, en fait. Ce sont des entités aussi qui habitent aussi dans le monde astral. Quand je vous dis que c'est un monde qui, qui, est, qui est constitué de plusieurs, de plusieurs êtres. Vous comprenez. Euh, en Suisse, nous avons les suicidés les personnes qui se suicident, en fait, ou bien qui sont victimes d'une mort subite, ces personnes ont, eu, ont la difficulté de s'élever, en fait, parce que en mourant, par exemple, une personne qui meurt subitement dans un accident, il ne se rend pas compte qu'il est, est mort, en fait. Il est là tout près, tout près de son corps physique, en fait. Il, se, il ne se rend pas compte qu'il est mort. Il peut rester là plusieurs, plusieurs ans, plusieurs temps, plusieurs années, en fait. Voilà pourquoi je vous ai dit que L'église, parmi l'église catholique, il prie pour les morts, pour les élever spirituellement, pour qu'ils trouvent le chemin. Voilà pourquoi en lingala on dit que si une personne se suicide, on dit que qu'il ne va pas trouver le chemin, en fait. Parce qu'il est bloqué, en fait. Il a écouté sa vie. Parce que sa vie, peut il, il devait vivre exemple, 70 ans. Il n'a vécu que 30 ans, ou bien 20 ans. Donc, ça sera difficile pour lui pour être élevé, en fait. Ce n'est que la grâce de Dieu, mais la grâce des êtres. Voilà quoi. Pour être élevé. Parce que les mondes spirituels ne s'arrêtent pas seulement au deuxième monde, le monde astral, non. Il y a plusieurs dimensions, en fait. C'est tellement vaste, vaste, vaste hein, qu'on ne peut pas se rendre compte. Donc, les habitants, parmi les morts, dans, 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 dans le cadre des morts, il y a ce que nous appelons les vampires, ou bien les loups-garous. Les vampires, vous connaissez l'histoire des vampires. Donc, euh, les vampires, il y a aussi euh, les vampires en fait, les vampires parce que les vampires on peut les comparer aussi sur, euh, dans la tradition qu'on qu on, 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 on appelle les kadian pemba, les suceurs de sang en fait. Kadian pemba c'est lui, c'est lui qui qui mange de sang kadiam pemba, dia c'est manger. Pemba c'est pembe, vous comprenez? C'est c'est l'énergie en fait, Donc, l'énergie vitale. Les vampires sont là pour sucer le sang. Le sang c'est quoi? C'est l'âme c'est ton âme en fait ton âme ton, ton sang c'est ton âme en fait si on peut voir ton, ton âme c'est ton sang, voilà pourquoi quand tu, quand tu fais l'hémorragie tu meurs, tu vas mourir parce que c'est l'âme qui part vous comprenez voilà pour ajouter encore, il y a aussi ce qui nous appelle le non humain et les artificiels je pense que là c'est pas vraiment très important, mais pour le non humain, il y a aussi le corps astral des animaux les animaux qui meurent, ils sont aussi des le monde astral. Parce que les animaux aussi ont un corps astral. Ils ont aussi une âme. Les instincts. Les, les animaux peuvent pleurer, peuvent être dans, dans la joie, ainsi de suite. Les corps astral des animaux. Les esprits de la nature, de toute espèce. Les esprits de la terre qu'on appelle les gnomes, les ondines, de l'eau, les salamandres, du feu, les cifres, de l'air, tout cela sont des le monde astral. Il y a aussi les anges. Voilà, c'est très important. Dans la tradition, ils n'ont pas de dévats. Les anges ou les fils de Dieu. Ils sont aussi dans le monde astral, en fait. Plus dans le monde astral supérieur. Les démons sont dans le monde astral inférieur. Il y a plusieurs compartiments, en fait. Il y a plusieurs compartiments. Donc, il pèse aussi les actions de chaque personnalité à la fin de sa vie astrale, le s'en du destin humain. Ce qui, euh, qui détermine si tu peux réincarner ou pas, ou de passer de, de, dans, dans une autre dimension, en fait. Vous comprenez? Donc, on n'est pas le seul à vivre dans cette réalité. Vaste en fait, on n'est pas le seul, nous ne sommes pas seuls en fait. Il y a plusieurs esprits qui se promènent, mais faute de, 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 de l'ouverture de notre esprit on pense être nous-mêmes, on est entouré en fait. Vous comprenez? Quoi encore ajouter? Euh, pour en finir, euh, je vais parler un peu des phénomènes astrales, notamment les apparitions dans les cimetières. C'est plus si l'on voit une, une apparition aux environs d'une tombe, c'est probablement alors une double éthérique de la personne nouvellement enterrée. Les apparitions du cimetière, c'est plus les personnes qui sont nouvellement enterrées, qui n'ont pas, pas été prêtes, si je peux le dire ainsi, ou bien qui sont attirées plus dans, dans le matériel qui veulent apparaître en fait. Vous comprenez C'est dans ce sens-là, dans la, les apparitions dans les cimetières. Et puis les localités enterrées, quand je vous ai parlé des. Des, des maisons en terre, il y a de ces choses qui se passent, en fait. Les esprits sont dans, dans, dans ces maisons-là. Il faut que, que ça soit exorcisé. Il y a aussi des apparitions des mourants, les revenants. Les personnes, par exemple, il est mort à, à 18h, mais vous le voyez euh, dans, un autre, dans, dans une autre ville, mais dans un autre endroit, à 21h. Il est revenu, en fait. Les apparitions du mourant, un revenant. Ce sont aussi des phénomènes astrales, en fait. Astro, voilà. Des revenants familiaux. Vous comprenez Donc, il y a aussi des communications, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont des médiums, qui parlent, qui communiquent avec les plans astrales, avec les morts, les nécromanciens. Je vais vous donner un exemple avec Saoul, avec la, la sorcière, la pitoniste d'Andorre, là, dans le livre de Samuel, où Saoul voulait que Dieu le communique, il a voulu que Samuel, étant mort, voulait écouter Samuel, voulait écouter la voix de Dieu par la tribune de Samuel. Il, a, il est parti voir cette sorcière-là pour faire pour évoquer Samuel de mais Samuel a dit laissez-moi là où je dors en paix pour vous montrer que les morts ne sont pas morts les morts continuent toujours à vivre voilà j'ai terminé c'est fini je pense que j'ai été clair à mon niveau ce que j'ai parlé voilà c'était c'était pas facile voilà parce que c'est la première fois que je parle des deux sujets parce que j'ai vu que les deux sujets aller ensemble dans le thème d'aujourd'hui comme vous le voyez titré les mystères des rêves et les réalités du plan et du monde astral et les deuxième monde parce que je voulais euh, comment euh, comment associer ces deux sujets parce que ça parle de la même réalité quand on parle des rêves on parle de sommeil on parle du monde astral et, de, voilà quoi tout cela ça ça, ça ça allait ensemble en fait ça, ça valait la peine d'en parler voilà. Boti demande si Christ était mort vivant. Mais je, je te dis que les morts ne sont pas morts. On ne meurt pas. La mort est une illusion. Nous continuons de vivre. Tout est vie. Oui, il était mort vivant. Voilà. Toi aussi, tu es mort vivant. Quand tu vas mourir, tu vas pas mourir. Nous tous, nous continuons de vivre. Parce que tout est vie. La répète est là, mais tu n'es pas mort. C'est juste l'état de conscience en fait. donc c'est Voilà. Il y a encore des questions. Je pense que j'ai terminé là. Ça a été clair, je pense, à mon niveau. Parce que on est donc ce qu'on a. Je n'ai pas la prétention de dire que je connais tout ce que j'ai dit. C'est ça, c'est la vérité. Non. J'ai dit ce que j'ai je pensais être vrai. S'il y a des contradictions, n'hésitez pas. Parce que c'est un partage. C'est juste un partage. c'est pas que moi, je suis comme un pasteur pour dire, dit ta main, dit ta main, vous dites ta main. Non. C'est juste un partage. Ça peut aussi être un débat contradictoire, toujours dans l'esprit de de comprendre le principe de suite. Y a-t-il des questions Parce que j'ai terminé. Autres, quand... <laughs> voilà, Nous sommes des morts vivants. Enfin. Nous ne mourons pas. Nous avons peur de la mort, bien sûr, parce que dans la Sikoboti, tu, tu n'as pas encore 40 ans. Nous tous, nous aurons besoin de vivre quand même. Hein, de, de, de se rassasier de nos jours. Nous ne voulons pas mourir, en fait. Tu vois, nous voulons pas mourir parce que on a peur de la mort. Bien sûr, nous, nous, nous avons besoin de vivre. Bien que la mort, la mort n'existe pas, toute est vie, mais on a peur de la mort. Ce qui va venir après. Qu'est-ce qui, qu qui va venir en fait? Mais beaucoup de chrétiens disent que euh, nous voulons aller chez Dieu paradis. Mais pour aller chez Dieu, avant que Jésus vienne, comme la religion chrétienne dit, mais pour pouvoir mourir, qui va accepter de mourir? Pour Jésus, personne. Voilà. Christ Voilà, Christ est énergie. Tout le monde a Christ en lui. Et pour cela, Christ, c'est la vie, c'est la lumière. C'est nous, en fait, c'est notre état spirituel élevé. C'est ça, Christ. L'espérance de notre gloire. Tout le monde a Christ. Voilà. Jésus, c'était juste un vase, un instrument que Christ a entré pour manifester. Voilà, c'est un avatar. Comme tout le monde est aussi avatar. Voilà pourquoi il a dit que vous ferez aussi plus que moi c'est ça en fait donc mais la religion a la idolâtré en fait vous comprenez mais c'est difficile je ne peux pas dire ces choses parce que ça c'est compliqué <laughs> c'est compliqué c'est compliqué la batterie mon c'est compliqué les humains vont être sensibles les mondes ah la... <laughs> hein, bon c'est toi toi si tu veux te suivre. les humains vont mais un bébé quand il est mort c'est une âme en fait oui c'est une âme il n'est pas mort son homme continue à vivre. Il s'est réincarné déjà. L'amour n'existe pas c'est une illusion en fait. C'est une imitation d'une dimension et d'une autre dimension. Oui, mon frère qui me saigne, je t'écoute. Oui, une question. Là, c'est parce que Disney wow. c'est Ce pas facile les personnes qui, qui prêchent le pasteur vraiment les conférenciers qui vont bravo parce que je l'expérimente avec mes lives, je sens vraiment que c'est pas facile. <laughs> mais on fait de notre mieux, voilà, c'est, c'est toujours un plaisir, un plaisir de partager toujours avec vous la connaissance. Ça me fait du bien, en fait. J'ai oublié même de manger, donc, après, je vais manger. Je vais manger, mais j'ai dit que je vais faire, je viens du travail, mais j'ai dit que je vais, je vais, je vais partager, en fait. Voilà, c'est ça. Ouais, j'attends euh, ta question, mon frère Guy les bébés avortés sont le monde, oui, ils sont le monde à... ils ne sont pas morts. C'est une, les actions sont les âmes, en fait. Ils ne sont pas morts. Les... c'est, ces les corps, c'est rien. Mon frère, bon, tu es maître au c'est bien pour la vie, c'est bien. Mais c'est corps c'est rien, c'est, c'est rien du tout, en fait. Voilà pourquoi Salomon a dit tout est vanité. C'est pas pour décourager... décourager, les gens, non. Même Salomon lui-même, pour dire euh, tout est vanité, il a, il a joui de la vie, en fait, à fond. Oui, pourquoi pas nous, en fait si on à, un, un à Pourquoi on va dire toutes ces vanités Non, on, nous on joue aussi de, vanité, de ces vanités-là. Parce que nous sommes aussi dans les mondes. Nous devons ressasser de notre vie, en fait. Nous devons vivre longtemps. C'est vraiment mon souhait, en fait. Voilà, c'est ça. Lorsqu'on sort pour aller constamment dans le monde astral, on part dans quel monde astral Ça dépend maintenant, mon, mon frère, euh, euh, Gimiseng, parce que, comme je l'ai dit toujours, que la connaissance n'est ni bon ni mauvaise. Ça dépend de l'intention d'une personne. Voilà pourquoi les sorciers sortent consciemment de leur corps pour faire du mal. Quand je, je te dit que dans le monde astral comme dans le monde physique, il y a plusieurs dimensions. Plusieurs compartiments, en fait. Ça dépend de l'intention, en fait. Avec quel être tu... Tu, tu dis, en fait. Tu dis, tu dis, avec quel être, en fait. Ça dépend en fait, ça dépend. Astral supérieur, quand je vous donne avec l'exemple des devas, des anges, des archanges en fait, parce que c'est le monde spirituel en fait. Astral, c'est juste une dimension. Il y a aussi le monde mental, d'où viennent nos pensées, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à. Cet exemple, on peut le comprendre avec l'exemple de, de l'échelle de Jacob. Vous vous, vous, vous souvenez de l'échelle de Jacob, les de Jacob, quand il dort. Il voit l'échelle, en fait. Les anges monter descendre en fait. Au sommet, là, était Dieu. Voilà, l'échelle, en fait, c'est ça, en fait. La première échelle, on peut dire, c'est le monde astral. La deuxième échelle, c'est un autre monde, une autre dimension, une autre fréquence. Et de suite, et ainsi. Jusqu'à Dieu, voilà, quoi. Le haut sommet, le très haut, voilà, quoi. C'est ce que nous voulons comprendre. Donc, en fait, c'est la hiérarchisation, en fait. C'est la hiérarchisation. Voilà pourquoi j'ai mis dans les statuts, que Dieu est comme l'électricité pure. On peut pas voir l'électricité. Sinon, on, on, on va disparaître. Mais pour avoir l'électricité, il y a les transformateurs, les fils, en fait, les câbles qui viennent à nous, en fait. Ce sont les anges, les archanges, les, les Voilà quoi. Tout ça, en fait, c'est ça. Personne n'a vu Dieu, en fait. Voilà pourquoi Moïse même a vu l'ange de l'éternel. L'ange de l'éternel, en fait. Tu vois, là, non, c'est Dieu, mais ce n'est pas vraiment Dieu, parce que Dieu. On ne peut pas les sonder, on ne peut pas déterminer qui est Dieu, non. C'est ce travail, c'est les hiérarchies qu'on appelle les hiérarchies angéliques. Les anges qui sont les messagers. Angelos messagers. Voilà. Souvent, nous partons dans l'église mystique rencontrer les maîtres pour être enseignés. L'église mystique se trouve dans quel compartiment? Là, c'est, je dirais, compartiment à, à enseigner. C'est toujours, c'est la même question en fait qui revient, mon frère Guy Messines. C'est par rapport à, 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 comment, à, ta, à la motivation qui te pousse en fait. Tu parles, tout le monde est maître. Il y a des, il y a des, il y a des maîtres qui sont aussi, des maîtres qui ont des intentions mauvaises et des maîtres aussi qui ont des intentions pures. Ça dépend là où tu, tu pars en fait. Tu vois, parce que la connaissance n'est ni bonne ni mauvaise en fait. La connaissance est neutre. Ça dépend maintenant. Les principes sont les mêmes. Mais ça dépend de qu'est-ce que tu fais avec. L'intention de ton cœur, c'est quoi? <laughs> On aura les habits dans les mondes astral. Mon frère, il faut mourir d'abord. <laughs> oui, on aura les habits astral. Si tu veux, les habits astraux. Oui, on aura les habits. Parce que notre corps physique ici, c'est notre habit, en fait. C'est l'habit. C'est l'amba. C'est l'amba. C'est l'amba. C'est l'amba, en fait. Là-bas, on aura des habits correspondants à, à, à cette fréquence-là, à cette dimension-là. Voilà pourquoi, même dans la Lune, même, la nature nous enseigne, dans la Lune, dans la Lune, là-bas, on, on porte quoi, les, on, on appelle ça quoi, les scaphandres, hein? les scaphandres même dans l'eau. Tu vas pas aller dans l'eau profondément, là, à 1000 mètres, 1 hein, km de l'eau, avec des habits comme ça, non, il faut porter les, on appelle ça quoi, les, les scaphandres, hein? corrigez-moi si je me trompe. Même aussi dans la Lune, en fait, parce que ce sont les fréquents, et les dimensions. Tu vois, c'est comme ça, en fait, dans chaque dimension, à ses outils, en fait, à ses habits. Oui, on aura des habits astro. Voilà. Pas les habits comme ça. Non. Ça, c'est la physique, en fait. C'est la matérialité, en fait. Bien que c'est la lumière, mais au niveau de la fréquence, c'est matière. C'est le plus bas. C'est notre réalité, le plus, plus, plus bas, en fait. Mais tout est énergie, tout est lumière. Donc, il y aura les taillers. Oui, il y aura les taillers astro. <laughs> chaque compartiment, chaque... en fait, il y a un principe hermétique qui dit tout ce qui est en haut comme tout ce qui est en bas. Tout ce que nous voyons en bas, c'est exactement tout ce qui est dans le monde spirituel. C'est la même chose. C'est la même chose. Mais à, à des fréquences différentes, en fait. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose, en fait. Vous comprenez? Voilà pourquoi on dit que les anges ont des ailes. Nous aussi, nous avons des ailes, en fait. C'est au niveau de nos épaules, en fait. Bon, là, ce n'est pas, pas le sujet. Tous les anges n'ont pas des ailes, en fait. C'est juste l'élévation spirituelle. C'est l'état de conscience. Il faut être léger pour monter, en fait. Voilà pourquoi on nous, on, on nous dit de, de ne pas avoir des sentiments négatifs, en fait, pour monter. Voilà pourquoi les, les gens font des gènes pour alléger, en fait, pour monter spirituellement. Vous comprenez, pour monter spirituellement, pour monter dans les paradis. Les paradis, c'est... C'est l'état de conscience élevé. C'est l'état de, de félicité, de joie, de bonté, d'amour. L'enfer, c'est la tristesse, la peur, la méchanceté, la haine, tout cela en fait qui nous, qui nous, qui nous empêche de monter en fait. C'est ça en fait l'enfer. C'est la même chose aussi, ce que nous allons voir quand nous allons mourir. C'est la même chose, mais les fréquences sont différentes. Tout ce qui est en haut, comme tout ce qui est en bas. Tout ce qui est l'élément spirituel, c'est ce que nous voyons. Voilà pourquoi Christ se dira que la nature ne vous enseigne-t-elle pas pour comprendre le monde spirituel, je vais vous donner un tas d'exemples ici, des exemples des, des physiques en fait, pour comprendre le monde spirituel. Voilà pourquoi la réalité du monde spirituel est, est, est expliquée, est imagée avec des exemples physiques. Je vais vous donner un exemple avec l'enfer, le feu. Le corps physique ne brûle pas, parce que les corps physique, on ne va pas entrer dans le monde astral, le monde spirituel, avec le corps physique. non. Ça, ça va rester pourri. Mais on va entrer avec notre âme. Nous serons aussi... Comme mon frère Bauti demande la question, si on aura des habits. Oui, les habits que notre âme va porter, les amis correspondant à, à sa fréquence, des habits astro. Il aura aussi des tailles astro dans ce monde-là parce que il y a les, 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 les êtres qui vivent là-bas. Vous comprenez? Donc voilà. <laughs> Salut mon frère, l'ingénieur Félix Aniki. Donc voilà. Merci au Ah, Je pense que j'ai fait de mon mieux vraiment pour Bien expliquer ces sujets qui étaient les mystères des rêves et les réalités du monde astral, du plan astral, là où vont les morts, là où nous, nous, nous allons, quand nous dormons et puis quand nous rêvons ainsi des Suisses. Donc la vidéo va rester sur mon mur. Merci à toutes les personnes vraiment qui ont pris les temps à, 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 à me suivre, et qui ont sacrifié vraiment les temps à suivre ma cette personne. Donc on nous donne que ce qu'on a, on a partagé la connaissance. S'il y a des questions, voilà, on peut toujours continuer en, 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 en inbox et puis ainsi de suite pour apprendre aussi. C'est juste un partage. Ce n'est pas un enseignement comme si je suis le gourou. Tout ça, dites dit Amen, tout ça. Non, ce n'est pas ça. Juste de... Nous partageons la connaissance. Les choses que j'aime beaucoup, la spiritualité, ainsi de suite, pour partager la connaissance avec tout le monde. Voilà. Merci. À nous revoir la prochaine fois. La vidéo va rester sur mon N'oubliez pas, vous êtes multiple émotionnel vous êtes esprit. Ne vous ignorez pas, vous êtes extraordinaire, vous êtes plus que ce que vous pensez. Donc, intéressez ça vous et puis vous ferez des grandes choses. Quand, même si quand Christ est même dit que vous ferez plus que même moi, vous ferez plus que moi. Donc, c'est toujours important de, de réaliser qui tu es exactement. Voilà. Amen, <laughs> <Même> Antichrist. Un <laughs> jour, je vais aborder le, le sujet de l'Antichrist. Voilà, voilà. Mais bon. Il y a tellement beaucoup à dire. Merci beaucoup à toutes. Je vais, quand même, je vais dédicacer les personnes qui étaient là. Mon frère Boti Kandi, la télé, la télé plus célèbre. Et mon frère, l'ingénieur Félix Kaniki, mon frère Guy l'apôtre et l'alpiniste Israël Abir Luma, ma soeur Sandra Salim. mon frère Yarasuba, la gariton David, mon vieux, beaucoup, mon frère Alim. Mon frère bel ami et toutes les personnes qui m'ont suivi, dont les noms ne sont pas apparus, mais nous sommes ensemble. Merci, merci. C'était votre ami, frère Kalinga Alida. À nous revoir la prochaine fois. Pour d'autres sujets, je ne sais pas si je vais parler quoi, il y a tellement beaucoup à dire, mais je suis toujours mon esprit. Ce que je vais partager, je partage et puis ainsi de suite. Merci. Bye bye. Peace and love.